Et bonsoir YouTube, ou bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce React Cauchemar en cuisine, donc cette fois-ci à Juin-les-Pins. Nous sommes le 30 juin. Cet épisode a été diffusé du coup la première fois le mercredi 30 janvier, pour mon anniversaire, 30 janvier 2013. Pour mes 23 ans du coup, hein, vous allez tout savoir, et il devrait être publié incessamment sous peu. Donc je fais une petite parenthèse, ceci est un React pour les abonnés, hein, vous avez l'habitude du coup de... ce qu'il en est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre pause, ça veut dire que je vais parler, ça veut dire que je vais faire des hors-sujets, et ça veut dire que rien ne va changer. Donc, ça ne sert à rien de me dire d'arrêter de faire telle chose ou telle chose. Ça fait plusieurs mois maintenant que je fais la même chose, et je vais pas changer de personnalité. Et sur ce, je vous laisse profiter de l'épisode et de mes coupures. Alors, oui, si, j'ai peur du ban sur Twitch, mais le problème, c'est que sur Kick, je ne peux pas récupérer les rushs. Donc, voilà. Ça veut dire que Kanju va réagir, vu que c'est un React, exactement le vrai Scorpio. T'avais 10 ans, oh là là, fou, la claque dans la tronche, j'en avais 23. Voilà, voilà. Donc si, ouais, du coup, t'as 20 ans, t'as tout juste 20 ans, oh là là, t'as déjà 20 ans. T'es né en 2003, punaise. Bref, mettons l'épisode. J'ai pas envie de vieillir, en fait. C'était trop fort. Cette nouvelle mission m'emmène à Juan-les-Pins. C'est dans l'une des stations balnéaires incontournables de la Côte d'Azur, située à quelques kilomètres de Cannes, que Virginie, Michael et Cédric ont fait appel à moi. Je sais compter. Vu le flot de touristes et la situation idéale en bord de mer, il n'y a aucune raison de ne pas cartonner ici. Je suis déjà allée à Juan-les-Pins. Pourtant, personne ne vient et leur terrasse est désespérément vide. Ah, ça va. Je suis Cédric Pantaléo, j'ai 29 ans et dans le restaurant, je suis gérant. Je m'amuse à dire que je suis gérant sur papier par rapport à la situation. Cédric, s'il te plaît, Cédric, va à la réception, s'il te plaît. Tu demandes, hein, tu prends des clients un petit peu. Sois gentil. Sois gentil. Les fonctions de gérant sont nuls parce que je suis à proprement dit qu'un serveur. C'est là, bonjour. Désirez jeter un petit coup d'œil à la carte. Oui. Mon père veut que l'on accroche les clients dehors. Moi, je suis plus pour laisser les clients lire la carte et ensuite forcément faire l'accueil dès qu'ils pénètrent dans l'établissement. C'est sa façon de faire, c'est pas la mienne. C'est ça. Ça fait un peu trop agression à mon goût. Bonjour messieurs dames. Ouais, c'est ouais. Blackout. C'est mon oncle qui a la main mise sur les décisions, sur la carte, sur les recettes. Tous les choix qu'on a faits, ils ont été refusés par. Alors clairement, c'est facile de parler, c'est sûr, parce que voilà, chacun fait ce qu'il peut et c'est quand même délicat quand c'est une histoire de famille, mais je sais que mon caractère fait que si jamais j'aurais été dans cette situation-là, j'aurais préféré quitter le restaurant plutôt que rester dans un restaurant où on me force à faire des choses que j'ai pas envie et d'où ça n'est pas ma vision des choses. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne sais pas comment j'aurais réagi si ça avait été un restaurant de famille, mais il y a très peu de chances que j'aurais accepté de continuer comme ça et ça aurait été j'aurais fini par dire stop, c'est soit moi soit ma méthode ou je me casse. Et mais c'est mon caractère qui fait que je suis comme ça parce que je peux pas aller à l'encontre de mes valeurs, ça me rend malade en fait.
Mais ça, faire du racolage comme ça, clairement, moi, c'est quelque chose, c'est rédhibitoire. Même déjà, et pourtant, en restauration rapide, on nous demande de proposer un dessert et une boisson chaude ou quelque chose. Des fois, tu sens que tu peux le faire avec le client, mais des fois, tu sens que tu peux pas le faire. Et voilà, c'est... Moi, tu fais ça, je rentre pas. Exactement, moi, c'est ça. Tu viens me dire, allez, viens. Déjà, ça pue. Pourquoi tu me demandes de venir? Si tout va bien, ça veut dire que t'as pas besoin de venir me voir pour que je vienne. Voilà. On n'incite jamais la consommation, ça fait rapia, c'est ça. Après, on peut proposer, mais des fois, tu sens à la manière dont le client il va te passer commande, dans mon cas, en restauration rapide, tu sens que bah, lui proposer quelque chose, c'est pas forcément le moment, parce qu'il va être pressé, parce que si, parce que là, enfin, voilà, il y a des choses qui se font pas. La plupart du temps. Mon père a voulu ouvrir ce restaurant pour nous, pour ses enfants, donc pour ma soeur, mon frère ainsi que moi. Je suis d'origine sicilienne, mais moi j'ai le sens profond de la famille. Je dis si un jour je pars, je veux que mes enfants aient quelque chose pour pouvoir Tu vas vivre. partir. Du coup, mon frère me dit, écoute Mario, si tu veux, on achète une affaire. Oui, d'accord. Mon frère me dit, écoute, voir, C'est si ça. les enfants se mettent à fond là-dedans, les 50% de ma part, comme il n'a pas d'enfant, je leur ferai cadeau. Mon père et mon oncle avaient dit, on va vous former pendant une saison et à l'issue de la saison, vous aurez vu ce qu'il faut faire et vous gérerez. Et on a cru effectivement qu'à la fin de la saison, on nous donnerait les rênes et puis on se débrouillerait, on leur montrerait de quoi on était capable. Mais on n'a pas eu cette opportunité-là et il C'est n'y a ça. pas eu de passation de pouvoir telle qu'elle aurait dû l'être à l'issue de la première saison. Mes enfants voient le jeune, nous on est des vieux croulants, enfin des dinosaures si l'on veut. Mais on a une autre conception du travail. Nous, c'est plutôt la restauration traditionnelle. Parce que quelque part, si on prétend, on se sent assez fort comparativement à ce que je vois tout autour de moi. Mes enfants, eux, c'est dans le genre de pub. Il veut faire un restaurant de poissons. Il a fait des poissons toute sa vie. Il a une fascination pour les poissons. Il veut faire des poissons. Donc on passe de pub irlandais au monde magique de Dora de l'exploratrice, quoi. Mais comme je dis, les jeunes, c'est pourquoi vendre des pizzas, vendre des mojitos. Si c'est pour vers les jeunes de la musique, ça me rapporte rien du tout. Je ne suis pas d'accord. Ah, mais c'est ça le problème de la vieille école, c'est qu'ils ont du mal à accepter que le monde change. Ils ont envie que le monde reste comme il est. Ce qu'on a vu en formation cette semaine aussi, c'est une nouvelle façon de voir le management. Et Burger King, en fait, s'est aperçu que le management devait passer à autre chose parce que l'humain a changé, le monde a changé, donc du coup on ne peut pas faire du management à l'ancienne avec l'autorité, vraiment être comme ça, des œillères et compagnie, ou le chiffre, le chiffre, le chiffre. Il faut forcément prendre l'humain en considération et faire les choses autour de l'humain pour pouvoir établir une relation de confiance entre tes subordonnés et tes collaborateurs. Donc forcément, les façons de former les managers et toutes les méthodes de management de Burger King ont changé aussi. L'avantage qu'il y a avec Burger King, c'est que ça reste quand même une entreprise qui est plutôt jeune, surtout en France. Même s'ils sont venus, ils sont repartis, mais en France, ça a vraiment eu un retour récent. Et du coup, ça se veut moderne et ça se veut efficace, surtout. Je suis d'accord, c'est un peu comme dans les magasins de vêtements quand une vendeuse vient te dire cette fameuse phrase, vous cherchez quelque chose? Ah ouais, moi ça m'angoisse, je déteste ça. Je déteste qu'on vienne me voir en me disant ouais, si, et là, machin. Non, je regarde. Au moment où j'aurai une question, je viendrai te voir. J'ai déjà bossé à BK et McDo. Je préfère 1000 fois BK. Bah ouais, mais BK, ils sont vachement plus à la page sur beaucoup de choses, hein. Et pourtant, BK, c'est beaucoup plus lourd en process et en quantité de travail que McDo. Et pourtant, on s'y sent mieux. Pas tous les restaurants sont parfaits, il y a chacun qui a des endroits où ça pêche, mais je trouve qu'au niveau de l'humain, ils ont vachement mieux compris les choses.
Et étant donné que, comme je disais, la marque est jeune, forcément, la façon de former les équipes encadrantes est jeune. Donc, plus adaptée au monde actuel. Donc, mon oncle, oui, là, il va revenir de nouveau. Donc, il devrait arriver d'un instant à l'autre. Il va appeler les cuisiniers au préalable pour qu'ils sortent et déchargent tous les produits. Mais souvent, lorsqu'il revient des courses, il est un petit peu énervé. De part déjà le fait d'aller faire les courses tôt, la circulation. Malgré tout, il a plus d'une heure de route pour venir, donc parfois c'est folklorique dans la rue. Il est arrivé qu'il se prenne la tête avec la personne qui attendait derrière. Ça a failli partir loin. Et ça dépend des jours, mais il est arrivé une fois où il a carrément jeté les sacs devant les clients au milieu parce que les cuisiniers venaient pas assez vite décharger la voiture. C'est folklore. Voilà. C'est quoi cette histoire? Allez, au garde à vous. Le restaurant, il est ouvert ou pas? Oh non, oh non, merde. Oh, ils sont une armée là. Ah ouais, la musique a bien été choisie. Que sa façon de voir qui est la bonne. La nôtre, par rapport à notre âge, notre expérience, notre niveau d'études, entre autres, c'est... Ouais, c'est pas faux. On ne prend aucune décision avec mes frères, puisque même du moment où on ne bouge que quelques tables, on se fait pourrir. On n'a pas le droit. On a osé enlever chier. Les nappes, parce qu'on n'aime pas les nappes, on trouve que c'est beaucoup plus joli avec les sets de table sur le bois. C'est pareil, il a fallu qu'on mette tout de suite les nappes. Alors à part être obligé d'obéir comme un gamin de 5 ans et demi pour pas créer un énorme clash, quel autre choix on a? L'autre choix, je vais répondre, même si c'est délicat et que clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la famille c'est compliqué. L'autre cas, c'est vous êtes nombreux. Par rapport à lui, il est tout seul. Laisse-le bouder dans son coin. S'il veut, s'il n'est pas content... On se casse, on le laisse dans sa merde. C'est le choix, c'est pas compliqué. Il est tout seul. Il va faire quoi? Il va tout vendre et couper les vivres et se retrouver à la rue? Je crois pas, non. L'oncle est un fléau, quoi. Est un fléau humainement parlant. Notre oncle nous a présenté au voisinage d'une manière... assez déroutante. Bah tant pis pour eux. La première image que ces gens-là ont eue de nous, c'était que mes frères étaient deux connards et que moi, j'étais une incapable qui comprenait rien, qui ne savait rien faire de ses 10 doigts, pas même porter 2 tasses à café et qui était trop moche pour faire l'accueil. Le climat s'est détérioré entre mon frère et mes enfants. Moi, j'ai fait plus ou moins le tampon. Je le fais toujours. La position qu'a mon père par rapport à mon oncle et nous, c'est qu'il a vulgairement le cul entre deux chaises. Avec lui, j'ai une relation très forte. Le père entre deux chaises aussi, c'est compliqué. Le peu d'études que j'ai faites, c'est grâce à lui. Donc il m'a servi quelque part de père, tout en étant mon frère. Et j'ai un respect incommensurable pour lui. Ouais, mais il a coulé le resto, quoi. Devoir prendre une route, soit celle de mon oncle, soit la nôtre. Et ça va être très, très dur. Très, très dur. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est que ça me détruit petit à petit. Voilà. Je suis en train de m'écrouler. Totalement. Bon, je crois que je suis arrivé. Il n'y a pas grand monde sur la terrasse, c'est inquiétant. Et pourtant, le point de vue est quand même extraordinaire. Il y a vachement de monde sur les plages et aux alentours. Je vais aller voir plus près ce qui se passe. Alors, plat du jour. Ah, j'ai pas fait la prédiction. Plat du jour. Poisson, les ardoises partout. Il y a des cartes partout.
suggestion, loup grillé, dorade grillée, Saint-Pierre grillé, moulot curry, noix de Saint-Jacques. Ah, c'est pas trop la période. Il y a du couscous. C'est le vrai parcours du combattant là pour lire la carte. Hein. Allez, j'ai lancé la prédiction pour 30 des minutes pizzas, encore. Des crèmes glacées, des crêpes, des burgers. Il manque plus des plats wok. Puis on y est là, on a fait le tour du monde. Bonjour. 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 Cédric. Cédric, bonjour. Philippe, Chavez, enchanté. Bonjour. Mario. Bonjour, monsieur. Moi, je ne me rappelle plus. J'ai regardé tout à l'heure, mais je ne me rappelle plus. C'est un bel endroit, là, où vous êtes, là. Oui, bien placé. Beau cadre, ouais. Alors, je ne sais pas, je voudrais manger. Oui. Je peux. C'est possible. Il y a des poissons, là. Oui, voilà. Des poissons frais, ça. Oui. Le présentoir à poissons. C'est le genre de truc qui veut faire gastro, mais c'est complètement ringard. J'ai mangé sur la terrasse. Oui. Ça vous ennuie pas, j'ai mangé là. D'accord, bah installez-vous. Hein. Allez. Ça fait un peu attrape-couillon, leur bande poisson sur l'intérieur là, du restaurant. Il y a trois poissons crevés, là c'est l'iphénia. Ça se fait pas. Et puis en plus ça pue. Ça promet. Il a sorti sa phrase, ça promet. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc, menu à 22, le menu à 25. Le menu à 30, le menu à 45. Ah, forcément. Les quatre menus différents. Nos suggestions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je savais pas qu'il avait fait ça pendant. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Déjà, c'est louche. C'est pas possible. 23 suggestions. Il est en train de mater tous les menus et tout. Ah, bah, c'est sûr qu'il a de quoi lire. Vous avez choisi? Oui. Alors, je vais prendre un aioli. Un aioli. Une sole. Une sole. Et hamburger. Et hamburger. La cuisson, s'il vous plaît. Saignant. Saignant. Merci. Accompagné de quoi, l'hamburger? Frites salade verte. Frites salade verte, la sole. La sole, c'est pomme vapeur. Pomme vapeur. Et okay. L'aioli, bon, voilà. C'est un petit accompagnement de légumes, voilà, qui est moule. Et le, c'est du cabillaud. Cabillaud, ouais. Pour l'aioli. Oui. Voilà. Merci. De quoi? J'ai pas tout compris. Alors, cabillaud. On va voir, normalement l'aioli c'est ou de la morue, ou alors du cabillaud, mais salé. On va voir ce qu'ils vont me proposer. Un aioli, une sole et un hamburger XXL. Bah, on va le faire à l'aioli, hein. Ah. Après, une sole, ah, ça fait un moment. Après, un truc bon, américain. Ça va alors, il n'y a pas concurrence. Et moi, il va goûter les trois. Salut, Carl, bonsoir, bienvenue. C'est comment votre prénom? Michael. C'est Michael, ouais, d'accord. Et mon frère, c'est Cédric. Cédric. Non, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc il faut que j'imprime tout le monde. C'est normal. C'est vous le gérant du restaurant? Non, c'est mon frère. C'est votre frère? Ouais. Cédric, donc. C'est ça, tout okay. À fait. C'est lui qui gère le restaurant? C'est lui qui est gérant, mais après, c'est pas lui qui gère le restaurant à proprement dit, c'est le gérant sur papier. Ça veut dire quoi, ça? Bah, il a été mis en tant que gérant, en fait, quand on a ouvert la brasserie, parce que c'était... C'est mon père qui a décidé que ça serait lui parce que c'est lui qui a eu plus d'expérience okay. Entre ma soeur et moi. D'accord. Donc voilà, il a mis en tant que gérant, mais après c'est pas et du coup, toi, tu es. Effectives, donc voilà. Bon, vous m'expliquerez ça, bien sûr. Tu es de base gérant, une fille en fait, ou un garçon? C'est pas le gérant, c'est sur le papier, mais bon. Oui, ça je le savais très pour clair, j'ai parfaitement la morue, le cabillaud. J'ai compris que ça allait être très compliqué surtout. C'est une préparation qui diffère. Tiens, voilà Mario. Quelque chose me dit que je vais pas pouvoir manger tranquille. Bonjour Philippe. Rebonjour. Rebonjour. Mario. Mario, hein, c'est oui, ça. Mario, le papa de Mickaël, de oh Cédric. Oh merde, il s'assoit à table. Et de Virginie. Je peux m'asseoir? Bah, vous avez déjà commencé. Alors. Continuez, c'est où? Je termine. C'est vous le patron alors? C'est moi le patron avec mon frère, disons. Avec votre frère? Avec mon frère. D'accord. Je me suis dit, avant de partir, on ne sait jamais, parce que de toute façon, tout le monde doit mourir un jour ou l'autre. Hein. J'aurais que mes enfants mais personne soient aime ça, en à l'abri des besoins. Donc, j'ai décidé de prendre une affaire pour mes enfants. Et mon frère, sur ce fait, m'a dit, écoute, si tu veux, on s'associe, on se met ensemble, comme ça, on prend une belle petite affaire de façon à ce qu'ils puissent travailler. Et c'est parti de là. Bon, c'est vrai que nous avons une conception du travail qui est tout à fait différente, peut-être, de la nouvelle génération. Peut-être bien. Oh, il regarde sa montre. Il y a eu un conflit larvé. Il y a un conflit larvé entre mes enfants et mon frère. Voilà. C'est quoi le problème entre votre frère et les enfants? C'est quoi le problème? Mais ce conflit de génération. Est-ce que le problème? Conflit de génération. Ils ne se parlent plus depuis presque un an. Presque un an. Et ils travaillent ensemble tous les jours. Ils travaillent ensemble. C'est barjot, ça. Mais c'est barjot, ça. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est moi qui fais le contrat. Attendez, non mais attendez, vous êtes en train de me dire que depuis un an. Non mais attendez. Exactement. On est dans un restaurant. Oui. D'accord? Oui. S'il n'y a pas un minimum de communication,
Faut oublier, ça peut pas marcher. C'est très difficile, Philippe. Oui, c'est, je vois, je comprends que c'est difficile. C'est ça toujours arrivé, compliqué là, la différence d'âge. J'ai passé un certain stade. Mais ça c'est. Va, j'ai compris. Donc, Louis, le frère de Mario, tire. Mais c'est. Oui, passer un certain âge, c'est toujours compliqué la génération. Mais en soi, après. C'est pas insurmontable. Mes grands-parents avaient 25 ans d'écart et ils étaient très heureux comme ça. Et ils étaient. Enfin, c'est, pour moi, c'est un exemple. Mes grands-parents étaient un exemple sur leur couple. C'était. Pour moi, j'ai l'image d'eux comme un couple parfait. Clairement. Sans trop rentrer dans les détails, mon grand-père était quelqu'un de. Pas forcément, ouais, il était plutôt volage, on va dire, de base. Et quand il a rencontré ma grand-mère, il s'est rangé et ça a été terminé. Pourtant, 25 ans d'écart, elle était 25 ans plus jeune que lui. Et par contre, c'était l'amour de sa vie et ça se voyait, c'était un truc de fou. Donc, pour moi, l'âge n'est pas forcément un frein et n'est pas, c'est pas quelque chose à prendre en considération. Si l'amour est là, y a pas de problème. Ah, j'ai la nuque qui veut pas craquer, c'est pas pratique. Tout le monde et les enfants n'y mettent pas du leur. Ça sent pas bon cette histoire. Et si, c'est bien, je veux beaucoup de choses. Pardonnez-moi. La Yoli. Ah. Merci. Merci. Bon appétit. Je peux vous laisser. Je veux bien. Je vous en prie. C'est bon gentil. Bon appétit, Philippe. Merci beaucoup. On continuera la discussion après. Oui, oui, aucun problème. Je vous dis bon appétit. Voilà, on a un petit peu de temps, donc. Bon appétit. Merci. Alors, la aïoli. Visuellement, en tout cas, ça ressemble à une assiette d'aïoli. On retrouve les éléments. Mm-hmm. Ça peut être amélioré. En tout cas, c'est très gras. Je vois beaucoup d'huile au fond du plat. Ça, par contre, ça ne m'inspire pas confiance. Bon, je vais goûter. Oula, il y avait une auréole sous le bras de Philippe. Au secours. Alors là, ils m'ont servi du cabillaud. Il est super sec. Ah putain, ouais. C'est du surge. Il est congelé, le truc. C'est super sec. Et là, l'aïoli. Ouais, on est sur une mayonnaise aillée. Très banale. Sans aucun intérêt. Ouais. Vu la diversité des plats et la quantité surtout de plats, c'est vrai qu'on peut pas bien se concentrer sur un seul plat. C'est pas possible. Alors l'aïoli, soi-disant la spécialité de la maison, c'est ni fait ni à faire. Et puis servir du poisson congelé alors qu'il y a marqué poisson frais partout, c'est mentir aux clients. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien malheureusement. Rien? Il s'est rien passé justement. Ouais. Mais il a goûté, j'ai pas vu, il a goûté l'aïoli. C'est filandreux, c'est pas bon. D'accord. Et normalement c'est pas du cabillaud qu'on met dans l'aïoli. C'est de la morue. Ouais, ou du cabillaud salé. Cabillaud salé, ouais. D'accord. Oui, c'est de la morue, le cabillaud salé, non ? Merci, je vous en prie. Le fait que Philippe ait renvoyé l'aïoli assiette pleine, quoi, ça m'a conforté dans mon avis sur le fait qu'on n'est pas tellement fait pour le poisson et que la cuisine derrière assure pas. Ouais, super, ça fait bizarre, on a pris l'habitude. Hein. Mayo bon. Banal avec de l'ail à ail. Ouais, c'est pas bon. Quand l'opiga. Hanno piglia solo se ne accorge che è congelata chi so. No, ci dice. Lui c'è di dirci che solo è congelata, no, per dire va bene papà. Mais vous voyez pas qu'il y a marqué partout que nos poissons sont frais, il faut qu'on lui dise ça. Mais papa, putain, mais alors marquez pas des choses comme ça, putain. C'est pas ouf. Papa, le père me dit ouais, va lui dire que la sole elle est congelée. J'ai fait non mais attends, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on le dit. En plus il va le remarquer hein. Ouais de toute façon il m'a déjà dit hein, il m'a dit hein. Allez, la sole s'il vous plaît. Dans lui. Ouais du coup il l'a fait lui. Ça prend du temps mais la faute. La faute, elle n'est pas souvent aux gens eux-mêmes, c'est à ceux aussi qui... Je sais, d'accord. Philippe. Bon, je vous laisse manger, Philippe. Ah, je veux bien. Allez. On reprend tout à l'heure. Mais je vous en prie. Je vous en prie. Alors la sole, waouh. Il y a un moment flétri. La sole, elle est congelée. Tu fais une... Je vois tout suivi. Attends... On revient quelques secondes en arrière. L'ongle s'est essuyé les aisselles avec la serviette et il la remet sur le plan de la table.
Je crois. On va voir ça. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on le dit. En plus, il va le remarquer, hein. Ouais, de toute façon, il m'a déjà dit, hein. Il m'a dit, hein. La salle, j'ai s'il pas vous plaît. Il est dans lui. Dans lui. Ça prend du temps, mais la faute, elle n'est pas souvent aux gens même. Ouais, heureusement, tu m'as fait peur. Je sais, Philippe. Bon, je vous laisse manger, Philippe. Ah, je veux bien. Allez. On reprend tout à l'heure. Mais je vous en prie. Oula, il a failli se péter la gueule. Alors, la sole, waouh. À un moment, flétrie. C'est la sole flétrie. Oh là, ça se joue, ça. Ça, j'adore. Vous voyez, ça, c'est les intérieurs. La sole, ils ne sont pas enlevés. Normalement, ça s'enlève. Il faut savoir que quand on prépare une sole, on enlève cette partie-là, parce que ça ne se mange pas. Elle fait toute sèche, toute, je sais pas, archi-cuite. Ah. Ça, c'est sûr, encore, c'est pas de la sole fraîche, c'est de la sole congelée. Alors, c'est dommage, ils proposent du poisson frais à l'étal, et ils servent du poisson congelé derrière. Et franchement, les avis du client, c'est quand même pas correct, c'est un petit peu trompé le client. C'est clairement, c'est carrément tromper le client, surtout qu'en plus de ça, en général, les clients font confiance et ils savent pas, certains savent pas faire la différence entre le poisson congelé et le poisson frais. Clairement, j'ai tellement peu mangé de poisson frais que personnellement, je saurais pas dire comment différencier les deux, parce que J'ai mangé que ça. De base, je suis pas très poisson, donc le rare poisson que j'ai mangé, c'est à la cantine ou à la maison, quoi. Donc en restaurant, ça ne m'est jamais arrivé de manger du poisson. Donc je suis sûre qu'il y a une différence et je suis sûre que un jour, si je prenais du poisson au restaurant, je verrais la différence. Mais là, à l'heure actuelle, je ne saurais pas le dire parce que j'en mange pas. Oui. Qui c'est qui a préparé le poisson? Je pense que c'est mon oncle. C'est votre oncle? Vous pouvez me le chercher? Je l'amène? Ah bah ouais. D'accord. Très bien, ouais. Mon oncle, c'est une tête dure. Il est persuadé d'avoir les bonnes idées, uniquement lui et pas les autres. Depuis un bon moment, personne ne se parle. Cyril? Ouais, ça va péter, voir, ouais. Monsieur Etchebest. Vous allez voir le chef. Louis a intérêt d'être bon s'il veut m'impressionner. Parce qu'après ce qu'il vient de me servir, ça va chauffer. Sardine au barbecue, l'autre à l'armoricaine, le saumon fou. Oui, pour plaisir. Je crois que pas ça. C'est vous, chef? Non, je dirige la cuisine. C'est vous, Louis, alors? Ouais. Moi aussi, c'est à peu près tout ce que je mange, Vince. C'est votre gars? Mais c'était un poisson congelé, vous l'avez dit? Non, on m'a pas dit non. C'était congelé parce qu'on n'avait pas de poisson. Il n'est pas vidé, Il n'a pas été vidé? Non, il n'est pas vidé, regardez. Il ne faut pas le mettre, ça. Non, c'est vous qui vous en occupez ou quoi? Non, il a pris le gars et il n'a pas vidé. Vous ne le contrôlez pas, vous? Hein? Vous en occupez pas de la cuisine? C'est lui pas. Qui l'a préparé, si vous en occupez. Ouais, mais des fois, ça arrive qu'il ne faut pas quelque chose. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, là? J'ai l'impression qu'il essaie de m'embrouiller. Ouais. Mais vous êtes responsable de la cuisine? Oui, je fais tout. Et quand ça prend les assiettes, ouais, moi aussi, j'aime bien abandonner. Vous les regardez ou pas? Je regarde, mais je ne peux pas regarder tout parce que nous, c'est une restrice, des fois ça va très vite, vous voyez. Vous l'envoyez au client quand même. Il ne faut pas envoyer ça au client, c'est pas bon ça, c'est pas vidé, regardez. Il y a encore il y a le sang, il y a les huiles de la sole. Il faut le contrôler ça quand même. Vous avez raison. Moi je ne peux pas contrôler tout parce que des fois j'ai fait un truc, bon. Si c'est pas faire une laïque, c'est pas de ma faute, hein, je veux dire, c'est sûr, je veux dire. C'est toi qui l'as préparé. Mais j'en paie la tête à rien, je veux dire. Je vois du poisson frais, moi je m'attendais à manger du poisson frais. Je vais m'arrêter là. Écoutez, je vous la donne. Ouais. Montrez ça à votre chef alors. Ouais, si c'est passé. Ok ? Non. Ça marche, je suis passé là. Il le fait exprès ou c'est comment ? Il est filmé, il y a des caméras de partout. Il le sait qu'il y a des caméras de partout. Il va dire quoi ? Je suis vieux, je vois rien ? Mais on disait que l'épisode précédent, mauvaise foi, chapeau. Je crois que Philippe, il a oublié cet épisode-là. Hein. La suite. Je vais passer à la suite après. Vous avez le... J'ai encore un truc à manger. Ok, merci. Prends ça dans les dents. Boum.
Je sais pas si Louis va assumer ou pourrir ses cuisiniers, mais normalement, si c'est le chef, c'est à lui d'encaisser les critiques. Tu vois, ça, ça c'est l'œuf, tu vois. L'œuf de... qui va dans le sac. Il faut l'enlever, il faut pas le laisser. Ah oui, oui, je sais qu'il n'y a pas que ça. Mais. En fait, j'essaye de pas trop me souvenir de l'épisode pour vraiment réagir à chaud direct. Parce que si je commence à essayer de me rappeler de l'épisode, il y a plus d'intérêt de faire le react, quoi. Mais clairement, si je dis pas de bêtises, je crois que Philippe il se barre et qu'il trouve pas de solution. Non, mais on l'enlève jamais. Oh, merci pour le raid. C'est super gentil. Total, lui, il dit qu'il peut l'enlever. Qu'est-ce que tu dis? Bon, je veux dire, on a fait une erreur, c'est tout, on s'est trompé. Bien sûr. Mon oncle, c'est pas un bon chef dans la mesure où. Déjà, bonsoir, il n'est pas considéré, le raid. Contrairement à ce qu'il croit par sa cuisine, c'est-à-dire que tout le monde en a marre de lui, donc ce n'est pas du tout un bon manager. Mais non, mais le problème, il n'est pas la seule. Le merci problème, à Mané. Moi, je disais de l'enlever. Chaque fois, comment je dis tu vas? De l'enlever, les deux. Elle n'était pas enlevée là. Mais pas que l'autre fois, monsieur Céline, il a dit qu'il ne faut pas l'enlever. Ah, vas-y, mais c'est vrai, c'est le chef. Écoute, ça n'a pas con. Lui, le problème, c'est qu'il fait beaucoup. Il est arrivé comme ça là, avec la main comme ça là. Oh, s'il avait pu, salut Saché, s'il avait pu lui en mettre une, il l'aurait fait. Hein. Ça va bien, merci. Et toi, bah, ça va, écoute. Reprise des reacts sur Twitch, on croise les doigts pour pas se faire strike, ça serait cool. Je pense que sans les caméras, il aurait tapé. Ouais, je pense aussi. Il l'a peut-être fait, on l'a peut-être juste pas vu. Ouais, ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible, clairement. Je te spoil si tu veux. Non, j'ai pas envie d'être spoilé. Je crois qu'il assume pas grand-chose. Le truc américain, il ne faut pas le faire avec le congelé, il faut le faire avec le frais. Oui. Hein? Parce que, c'est mieux le faire avec le frais. Après ces deux tentatives, on va voir la viande ce que ça donne. Ah là là là. Oui, c'est ça. Hamburger senior. Okay. On est dans le même dans la oh même là lignée. Oh là 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 là, ça fait peur. On peut espérer que ce soit mieux, l'hamburger. Oh, je pense qu'il y a toujours quelque chose à dire, mais... Si vous aviez votre avis à me donner, ouais. Ce serait quoi? Oh, moi que j'ai déjà mangé des hamburgers meilleurs que ce qu'on fait, quoi. Vous l'avez dit? Ouais, ouais, c'est faux. Ouais, je l'ai déjà dit, ouais. Mais je le dis pas à chaque fois, mais j'ai déjà dit à un moment donné, c'est sûr. C'est lui, oui, c'est ça, c'est ouais. Lui qui s'occupe de la cuisine, vous l'avez dit à lui? Non, pas lui directement. Pourquoi? Parce que, de toute façon, il tient pas compte de notre avis, donc moi j'ai dit à ceux qui le faisaient. Ah, c'est vrai, ouais. Vous ne parlez plus. Voilà. Ça va être vachement bien, ça. C'est sûr, non, c'est pas... Non, c'est pas... Oui, désolé, je pose pas des questions, du coup, je suis un peu dans l'épisode. Je vous l'amène maintenant ? Oui, bah oui, je veux bien, ouais. D'accord, ouais. Je vous amène ça. S'il vous plaît. Je sens que je vais me régaler. Même le serveur me dit que le burger est pas top. Aïe. Vous êtes appliqué, hein ? Allez, j'espère que vous êtes appliqué, parce qu'il m'a demandé si c'était dans la lignée de ce qu'il avait eu, l'hamburger. Je m'assieds. Vous avez plus besoin de me le demander, Mario. Je me lève. Ah, mais maintenant, voilà. Non, mais c'est une blague. Le frère s'appelle Mario, enfin, l'oncle s'appelle Louis, donc ça veut dire Luigi, en gros, en italien. Et lui, il s'appelle Mario. Mario et Luigi. Ils étaient inspirés, les parents. Flao s'est passé d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai, ça fait un moment. C'était bien sympa, merci. On a commencé sur Ghost Trick. Ah, sympa. Mario qui, comme d'hab, s'installe à la table de Philippe. Ouais. Mais c'est ouf, quoi. Je connais pas Ghost Trick. Merci, voilà. Ça fait du sport. Voilà, c'est bien. Ça fait faire des jambes. Allez, à tout à l'heure, Mario. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Voilà. Hamburger, frites, salade. C'est ce que j'ai commandé, c'est ce que j'ai. Ça me convient. C'est quand même con. Je vais le goûter. Mais les frites sont bonnes. Ouais, je pense aussi, mais... Bon, j'ai demandé une viande saignante, ça va. À peu près correct. Ben voilà. Très bon son, hamburger. C'est un pain frais qu'on reçoit de la boulangerie. Ah, mais c'est pour ça. Donc, ça se voit. En plus, bon, on l'a vraiment su. Jeu d'enquête et de puzzle de l'équipe des Ice Atom. D'accord. Bien tombé, quoi. Ah ouais, mais...
Ça a l'air sympa. Ouais, ah non, vous auriez même pas dû me le dire, ça. Vous j'ai pas entendu dire, ce qu'il a dit. Ça, mais... Non, mais j'ai rien à voir. Aujourd'hui, donc ça tombe bien, ça n'a rien à voir. C'est ce que j'ai commandé, c'est ce que j'ai. Ça me convient. C'est quand même con. Je vais le goûter. Mais les frites sont bonnes. Bon, j'ai demandé une viande saignante, ça va. Ça manque de sauce un peu à l'intérieur, non? Ben voilà. Très bon sur burger. C'est un pain frais qu'on reçoit de la boulangerie. Ah mais donc, ça se voit. En plus, bon, en plus on l'a vraiment reçu aujourd'hui, donc ça tombe bien, ça n'a rien à voir. Vous êtes bien tombé quoi. Ah ouais mais. Ah non, vous auriez d'accord, même pas dû d'accord, ok, parlait du pain. Vous auriez dû me dire, c'est tout le temps comme ça. Non, mais il faut être honnête aussi. Vous avez bien tombé, c'est-à-dire on a du bol, quoi, non, c'est globalement. Pas... Non, ce que je veux dire, c'est que le pain, on le reçoit, et après, on le passe au fur et à mesure, mais c'est sûr qu'il n'est pas après aussi frais que la journée. Je vous dis les choses telles qu'elles sont, quoi. Ouais, mais... Faites retomber un petit peu là, mon enthousiasme là. J'étais. Ah, je dis putain, ça c'est bien ce mec. Ouais, j'ai eu de la. Globalement, j'ai du bol. Je suis bien tombé quoi. Ouais. C'est ce que vous me dites. Ouais. Bon, en tout cas, il est bien fait. Ok. Donc, je vais point positif. Ok, ça marche. Point positif. Voilà. Le pain est bon, la viande est bonne, c'est mon la tomate est fraîche, c'est chaud, les frites sont bonnes. C'est exactement ce que j'attends d'un hamburger frites. D'accord. Voilà. Okay. C'est parfait, voilà. Ça marche. C'est parfait. Elle est où la sauce hein. C'est une sauce non, quoi c'est pas compliqué. Bah voilà. D'habitude, alors, c'est dégueulasse. Bilan de ce repas. C'est ça. J'ai bouffé deux plats. Et merde, je peux franchement pas bon. L'aioli avec un poisson congelé. Ensuite, une sole pas vidée. Congelée en plus, sans goût, sans intérêt. La seule chose positive, c'est ce plat. C'est son hamburger avec ses frites. C'est un plat très simple, mais il est très bon. Il a été très bien fait. Alors, je vous passe les allées venues de Mario qui venait me saouler toutes les 5 minutes et me raconter sa vie. C'est un petit peu long, un peu pesant, mais je pense qu'il a bon fond. Par contre, Luigi, la terreur de la famille, ben c'est là, ça, Luigi, vite défilé quand je lui ai parlé de son poisson. Je vais aller faire un petit tour en cuisine maintenant. Je voudrais en savoir un petit peu plus sur lui, savoir ce qu'il a dans le ventre et surtout pourquoi il fait aussi peur à toute la famille. C'est vous qui êtes responsable de tout ce que j'ai mangé à midi ou quoi? C'est vous le chef ici? Ouais, le chef. Vous êtes conscient de ce que vous envoyez? Là, j'ai fait. Ça vous va? Non, vous avez raison. Mais servir du poisson congelé alors que vous avez du poisson frais à l'étal? Non, mais d'accord, vous avez une fois raison. Mais. Pourquoi vous le faites alors? Mais attendez, je vais vous dire. La sole, on en passe très peu. Très peu, alors pourquoi vous la mettez à la carte? Là, il faut l'enlever complètement. Vous faites pas, vous attendez que j'arrive pour. Non, j'y pense aussi. Allez, dans le mille. J'ai l'impression qu'il pataugeot. Je rigole, hors sujet encore un petit peu, depuis le début il l'appelle Louis, mais si la génération de mon grand-père, ça se faisait beaucoup à l'époque quand mon grand-père est arrivé en France, lui il s'appelait Enrico, et en France du coup tout le monde l'appelait Henri, parce que c'était pas un prénom français, Enrico ça s'entendait pas trop à l'époque. Enrico Macias n'était pas forcément connu en plus. Et là, il a fait pareil. Du coup, il s'appelle Luigi. Il a pris le prénom francisé. Et je sais pas pourquoi à l'époque il faisait ça. Il faudrait que je m'enseigne un peu plus pourquoi franciser les prénoms. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça à cette époque-là quand des Italiens ou même d'autres origines sont arrivés en France, ils ont vachement francisé les prénoms, ça se faisait. Tonton. C'est le vrai parcours du combattant là, pour lire vos cartes. Il y en a partout. Il y a des cartes partout. C'est vrai que ça fait un pagaille, ça fait un vrai bordel. Absolument. Pour le connaître. Bon. Absolument. Bon, vous en êtes conscient de ça. On va tout modifier tout ça. Un peu. Et d'ailleurs, comment on dit bordel en italien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Ça me ferait vraiment rire que quelqu'un sache comment on dit bordel en italien. Si vous savez pas, n'hésitez pas à répondre non, pas bordelli, non. Non, non. N'hésitez pas à dire non dans le chat si vous savez pas. Comme ça, vous donnez votre langue au chat? Bordello, non. Non, pas bordello non plus. Rien à voir, hein, c'est pas du tout la même base de mots. Allez, je vais dire la réponse du coup. Ça se dit casino. Cassino.
En anglais, mess, en italien, je sais pas, casino en fait. Et donc, du coup, quand. Oui. Du coup, quand mon grand-père il est arrivé en France et qu'il a vu Géant Casino, il était mort de rire. Mais c'était pas le bordel en, dans le sens why, c'était dans le bordel dans le sens premier du nom. Il a des connaissances, c'est sûr. C'est un grand chef, il faut le reconnaître. Mais des fois, les grands chefs font des erreurs. Ouais, Philippe, il en fait beaucoup. Hein. Niveau cuisine, ça marche pas. Et Louis n'a rien d'un grand chef. Mais bon, je pense que le problème est ailleurs. Il faut qu'il me parle de ses neveux. Pourquoi ça fait un an que vous ne vous parlez plus avec vos possible. Neveux possible. Moi, j'ai... Il faudrait que je creuse ça un peu plus. Ok, ouais. Ils ont 29 oui. et 30. Hein. Oui. Bon, et alors ? Il n'y a pas eu d'histoire entre moi et eux. C'est un problème de travail, un problème d'accueil, un problème de s'occuper des clients et tout. Ce n'était pas question entre moi et eux. C'était on parle de travail, mais le travail, c'est qui c'est qu'il fait ? C'est eux. Bien sûr. Donc, c'est à cause de ça que vous ne vous parlez plus. Voilà. Donc, le problème, c'est eux. Alors, quand vous voyez que vous avez dans la famille, oui. ils sont un petit peu mal polis, oui. qui passent les limites, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites quoi ? Mais moi, j'ai travaillé aussi avec ma famille. Mais je sais ce que c'est. Des fois, c'était dur, on était obligé. Par contre, on y allait, quoi. Quand ça allait pas, on se le disait. On se mettait une baffe, et puis après, on passait à autre chose. Mais on se dit les choses clairement. Mais on se... Je pense pas qu'il veuille dire on se mettait une baffe au sens littéral, mais je pense qu'il voulait le dire au sens figuré. Hein. Évidemment, il ne faut pas faire ça. Hein. On ne se tape pas dessus intra-famille, n'est-ce pas ? On se parlait. Alors, je sais pas ce que les jeunes ont fait aux anciens, mais une chose est sûre, Louis n'a aucune confiance en eux. J'ai besoin d'en savoir plus. Bon, ça fait pas longtemps que je suis là. J'ai mangé des plats fades à midi, mais en tout cas, l'histoire, elle est assaisonnée. Le problème, c'est quoi entre votre oncle et vous ? Le problème, c'est que la première chose qu'il a fait en arrivant ici, c'est d'aller voir tous les commerçants en leur expliquant que mes frères étaient des connards, quoi. Et moi, je suis une incapable qui sait rien faire de ses 10 doigts. Virginie, je ne l'avais pas trop remarqué pendant le service, mais en fait, elle n'a pas sa langue dans sa poche. On s'est déjà désolidarisé parce qu'on ne pouvait pas... Nous, on ne cautionne pas ça, ce comportement, cette façon de voir les choses et les gens. Cet irrespect total, c'est pas notre truc. Après, notre faute, c'est de l'avoir laissé faire pendant trop longtemps. On n'a rien dit. Il arrive un moment quand on a vu que vraiment, ça prenait pas une voie qui nous semblait, en toute impartialité, être la bonne. On a commencé à émettre des objections. Et là, systématiquement, ça partait en conflit. Ouais. Parce qu'on nous explique qu'on est des gros cons qui ne comprennent rien. On n'a pas 40 ans d'expérience. Et lui explique qu'il est un génie. Créer une unité, du coup. C'est pour uniformité, voilà. Peut-être le mot plus que tu cherches, Marie. Donc, partant de là, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et votre père dans tout ça, quelle position il prend ? Il suit son frère. Il préfère être en conflit avec super. Nous. Il a des petits conflits avec son frère liés à des actions de notre part, mais il est, pour la majeure partie du temps, derrière son frère. Et donc voilà, il n'y a que quelqu'un comme vous qui puisse se faire entendre par rapport à notre oncle, voilà, tout simplement. C'est quoi votre vision ? Ma vision, c'est redonner le charme que la brasserie avait auparavant, celui pour lequel on a pris cette brasserie. Salut Langue ! Un pub sympa sans prétention. Voilà, un juste pub sympa, classe. Où les gens ont envie de passer comment un ça petit va moment agréable. Quelque chose qui nous ressemble. Et nous, c'est pas du prestige qu'on veut. Nous, on veut un endroit où les gens se sentent bien. Un endroit confortable où on a envie d'aller. Après, pour remettre à plat une situation... Ça va. Il faut mettre de l'eau nickel, dans son vin, pour avaler un peu sa salive. Si c'est dans un objectif de mieux, je crois que ça peut valoir le coup. Maintenant, ce qui va être important, c'est l'avenir, c'est plus le passé. C'est savoir comment on va y arriver. Il va falloir leur prouver que vous êtes capable de faire le travail sans eux. Et de le faire bien, surtout. Si vous y arrivez, vous aurez fait votre job. On aura tout fait. D'accord ? Vous aurez fait le job. Vous serez propre et vous n'aurez rien à vous reprocher, quoi qu'il se passe. Nous, en plus, on a envie de travailler ici, de faire prospérer l'affaire. On en a réellement envie. On a envie que ce soit notre outil familial. Je vais réfléchir à tout ça. Et puis on se voit demain. Ça marche. D'accord ? Okay. On a enfin été écoutés, que l'on ait tort ou raison. Et Philippe va avoir un avis totalement objectif, un avis professionnel.
Merci. En attendant, merci. Réfléchissez vous ouais. aussi de votre côté. Mmh. Aidez-moi. N'attendez pas tout de moi non plus. Non, bien sûr. C'est évident que non. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci. À demain. C'est triste hein, comme histoire. Je suis choqué par le discours des enfants. J'ai déjà travaillé en famille et même si c'est pas toujours facile, j'ai rarement vu un tel chantier. Ici, le conflit générationnel tourne carrément à la guerre de tranchées. En plus, ce restaurant a un fort potentiel, mais comme il n'a aucune identité, personne n'a envie d'y entrer. En gros, j'ai une semaine pour redresser la situation, mais la mission s'annonce très compliquée. Surtout que Juan-les-Pins, j'y suis déjà allée, et clairement, c'est un petit village de bord de mer, enfin, une petite ville hein, quand même, qui est hyper touristique. Il n'y a aucune raison qui... Encore les avions. Il n'y a aucune raison qui coule comme ça. Donc, clairement, s'il coule, c'est qu'il y a une mauvaise gestion de ouf. Et enfin, il y a du monde. Mais qu'est-ce qu'il y a du monde à pleine saison, c'est noir de monde. C'est le genre d'endroit, quand il y a du monde comme ça, je fais... Je n'y vais pas. Je déteste ça. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à mes experts pour une mise au point et voir ce qu'on peut faire pour optimiser le restaurant. Ah, oh, j'adore ces fleurs. Des fleurs avec les plein de petites fleurs dessus. Bonjour Philippe. Salut Véro. Tu vas bien ? Ça va, Franck. Salut Philippe. Ça va ? Bien. Bon, alors, première journée hier. J'ai déjeuné, j'ai un petit peu observé. J'ai surtout pris le temps de discuter avec chacun d'entre eux, avec Louis, Mario et les enfants. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que les versions, elles sont complètement différentes. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un conflit de génération. Alors, tu as tout à fait raison. La problématique qu'on a identifiée est celle-ci. C'est-à-dire que les deux frères ont 40 ans d'expérience dans l'hôtellerie et la restauration. Et là, on est dans une histoire de transmission qui ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir essayer d'obtenir des enfants qu'ils soient partie prenante dans l'affaire du restaurant, ce qu'ils essayent d'être. Mais il y a une pression de Louis, l'aîné, le frère, qui est très très forte. Ouais, qui est terrible. Il faut absolument que j'arrive à rapprocher Louis et les enfants, il faut qu'ils arrivent à communiquer entre eux. Et tant que je n'arriverai pas à faire ça, je ne pourrai pas avancer dans le restaurant. Ah ouais, tout à fait d'accord. Cet établissement souffre clairement d'une absence de communication. Sur le concept, ni les jeunes je ni les anciens ne sont d'accord. Je ne sais pas l'écrire non plus. Mario et Louis aimeraient s'orienter vers un semi-gastro de poisson, alors que les enfants souhaitent depuis le début une ambiance pub décontractée. C'est le choix des jeunes qui nous semble être le plus cohérent. Qu'est-ce que tu as prévu pour ça, justement ? Ah bah tiens, alors. Ce qu'on a prévu, c'est qu'ils ont un bar qui est magnifique, mais alors avec une terrasse qui n'a aucune identité, aucune existence. Et donc, nous, on a décidé de la diviser en deux, c'est-à-dire une partie qui serait consacrée au bar, avec un coin assez cosy, mais également sur lequel on peut consommer sur des manches debout. Et une autre partie, c'est la partie restauration, qui permettrait de pouvoir... Alors, ta question est très intéressante, du coup... combien on sert de clients en une journée dans un resto qui fonctionne ? Tout dépend de la capacité de la salle et du coup du nombre de couverts sortables aussi par rapport à ta capacité cuisine. Donc, un resto qui fonctionne bien, c'est avec un I et pas un Y, d'accord. Un resto qui fonctionne bien, à la limite, si environ ta salle, elle fait, on va dire, 30 couverts, tu peux même aller jusqu'à 2 services. Tu peux, si vraiment ça marche bien, tu peux monter jusqu'à 60 couverts en un seul service. Donc, si tu fais ça midi et soir, 120 couverts, c'est pour une petite salle, c'est quand même très bien. Après, je ne sais absolument pas jusqu'à combien ça peut aller. Et parce que, par exemple, si tu prends un restaurant chinois qui a une salle immense qui pourrait accueillir genre 100 couverts en un service, forcément, ça ne va pas être les mêmes stats. Et puis, tout dépend de l'emplacement, tout dépend du type de resto que tu fais. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte, c'est très difficile de répondre à ta question, du coup, vraiment de manière très fermée. Je pense qu'il faudrait voir avec des experts un petit peu comme eux, là, métro et compagnie. C'est trop spécifique. Il y a trop de facteurs qui peut rentrer en compte. Servir une restauration assise. Voilà. C'est bien cette idée de transat. Puis je crois que les gens, quand ils passent de toute façon là, ce qu'ils veulent, c'est la terrasse. Franchement, vous avez bien bossé. Avant, j'aime bien l'idée de la carte sur une planche de surf. Maintenant. Merci.
Véronique a raison. C'est original. La clé de cette histoire, c'est la transmission. Si Mario et Louis n'y arrivent pas, eh ben moi, j'en fais mon affaire. Aujourd'hui, le défi de Cédric, Michael et Virginie, c'est de montrer qu'ils peuvent assurer un service impeccable. Il faut prouver aux anciens qu'ils savent travailler et que la boutique peut tourner sans eux. J'espère qu'ils ne vont pas me décevoir. Philippe, je préfère l'original quand même. Alors, c'est sûr, ça va mettre un petit peu la pression, mais pour ma part, je vais faire de mon mieux et je vais lui montrer que je vais essayer de ne pas le décevoir. Quoi. Salut Cédric. Aïe, bonjour Virginie. Ça va? Tu fais la bise. Ah oui. On fait aller. Mario est là? On fait aller. Bonjour Mario. Comment allez-vous? Ça va Mario, ça va. Bon, tout le monde est prêt là? Ouais. J'ai un collègue de ma chambre qui passait ses groupes en musique en boucle. Hein, d'accord. Tout le temps au taquet. La banane. Quand on est fan, on est fan. Hein. On est là pour leur faire plaisir. D'accord. Ouais. Et on est très bon. Ça va. Ok. T'as, il est grand le fils. Hein. On y va. Alors, les gars, on va commencer par un truc. Déjà, moi qui me choque, c'est ça. T'as trois poissons crevés là dans le truc, en plus on les voit même pas. Je l'ai fait sous. Ouais. Alors je l'ai fait sous demande du père. Qu'est-ce que t'aurais fait? Moi, je te ferais pas apparaître. Voilà, tout simplement. Hein. Le bac à poissons, ça sert strictement à rien, il n'y a personne qui regarde. Mon père et mon oncle nous bassinent avec ça, donc tous les jours on est obligé de l'installer. Si vous le mettez, il faut qu'il y ait un intérêt. Effectivement, si on n'a pas, il vaut mieux pas le mettre. Ouais. D'accord. Ouais. Il est à l'intérieur. Voilà. Les gens, ils sont qui va en terrasse. Ouais. En plus, j'ai vu le. Il n'a pas lieu. J'ai vu le nom du restaurant. Il s'appelle le Londonium. Mais quel est le rapport avec le poisson? Je ne pense pas que Londres soit réputé pour son poisson. Peut-être. Ouais. Là, en plein été, surtout, c'est pas le top parce que ça sent mauvais. Faut pas qu'il y ait, je répète, trois poissons crevés. Faut qu'il y ait du poisson, que ce soit garni, que ce soit, voilà. Faut donner envie. Donner envie aux gens. Ouais. Les gens, ils voient ça, ils voient du beau poisson bien décoré, du citron, des petites herbes, des petits machins. Des algues, des trucs, des algues, voilà. Ça, je veux, j'ai envie. Ça sent le poisson frais, on y va. Carrément. Et bon, vous le savez, si vous le savez, c'est bien. C'est une très mauvaise idée qui vient de mon oncle, parce qu'aujourd'hui, on présente directement sur un plateau, et ensuite, on ramène beaucoup plus propre, hygiénique. Cédric, oui. Comment ça se passe au niveau de la cuisine, généralement, avant que vous commenciez les services? Est-ce que vous faites un état des lieux avant de commencer le service? Est-ce que vous faites la démarche d'aller en cuisine et de faire le point avec les cuisiniers? Pas à chaque fois. Bon, alors ça, il faut savoir une chose, c'est super important. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est dommage. Vous êtes les troncs sales et vous avez personne en cuisine, d'accord, avec qui faire le lien véritablement. Donc, il faut faire l'effort de s'y impliquer. Pensez que le moteur d'un établissement, c'est la cuisine. Le cœur, il est là. Ouais, c'est clair. C'est la cuisine, c'est nous. Il faut une discussion entre la cuisine et une mise au point en fait avant chaque service. Mais dans l'autre cas, c'est compliqué parce qu'il n'y a justement aucune communication avec mon oncle et c'est lui qui gère tout ce qui est commande, etc. Donc c'est Méditerranéum. Ouais, si on reste Allez, sur le poisson. Le sourire, Virginie. Ouais. Le sourire, Virginie. Ouais, mais je suis méga appliquée, là, moi. Le sourire. Ça coûte rien, le sourire. C'est facile. Ça hein va, pas de soucis. Merci d'être passé, Langueux, ça fait plaisir. C'est un village. N'importe qui de sensé travaillant dans la restauration rêverait. Et je voulais te demander aussi, comme ma partie à la base, moi, c'était tout ce qui était gestion, j'avais créé un tableau, j'étais allée à la cave, j'avais noté tous les produits, les quantités, et je leur avais dit, ben, maintenant, quand je recevrai les factures, par rapport aux achats que vous avez faits, je pointerai, ça fait que mon tableau il sera toujours à jour quand vous me le demanderez, et on saura exactement ce qu'on a en stock. Ouais, c'est du contrôle, c'est des inventaires, surtout sur les boissons. Ils ne l'ont jamais utilisé, mais j'avais eu une bonne idée. Bien sûr, mais il faut le faire, c'est super important. C'est ça, la gestion d'une entreprise. Ah là là. Elle est volontaire, la petite, c'est bien. Ça me touche un peu, enfin ça me touche. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle est tellement pas reconnue qu'elle a besoin et qu'elle a attendu que, entre guillemets, que Philippe vienne pour s'assurer que son idée, elle était bonne. Et ça c'est dommage. Quoi. C'est clairement dommage. Oui, clairement, ils font tout de travers. Après, la chance que vous avez, vous, aujourd'hui, c'est d'être trois.
d'accord ? Donc, à vous de vous répartir les tâches intelligemment. À trois, en se partageant bien les tâches, ils ne peuvent que cartonner. Mais qu'est-ce que fait Cédric planté à l'entrée de la terrasse ? J'espère qu'il n'est pas en train de rabattre les clients, hein, parce que s'il y a un truc dont j'ai horreur, c'est bien ça. Ça, pas grand monde, hein. Parce que le père veut que l'on soit devant pour choper. Il faut choper ? Ah oui, il faut choper, comme à Marseille sur le pont. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ouais, il faut choper. Ça fait racolage. Ouais, ça, c'est du racolage. On préfère la chose naturelle où dès que l'on rentre, on accueille, mais on va pas agresser dès que ça lit le lieu. Ça donne pas envie en plus. Ouais. Le racolage dans la rue, c'est mon père qui me force à le faire. Pour moi, c'est horrible. Mais si, il est derrière, il est là. On est obligé d'aller faire la chasse sur la rue directement. C'est affreux. Finalement, c'est peut-être Mario qui va se faire engueuler aujourd'hui. J'étais juste en train de faire la remarque à Cédric, justement, que le rabattage et le racolage, c'était pas top. Ça donne pas aux gens envie de venir. Moi, j'appelle pas ça du racolage, j'appelle ça aller vers le client. C'est simplement quand les gens s'arrêtent. Malheureusement, ils sont pas, comment dire, concernés, ils me voient pas, là, parce qu'il y a trop de tableaux ici, ils sont attirés par le tableau. Donc, vous me montrez comment vous faites? Ah non, mais aucun problème, aucun problème. Allez, remplissez-moi la salle. Ah non. Regardez, il y a deux belles belettes qui arrivent, là. Non, mais elles s'écartent. Bonjour mesdames, vous allez bien? Vous voulez bien déjeuner? Ben c'est ici qu'il faut venir. Voilà. Oui, ça marche vachement. Mario. Elle cartonne ta méthode. Je pense que je vais faire pareil chez moi. Oui. Râteau. Râteau. Attends. Peut-être qu'elles n'ont pas envie de manger aussi. Hein. Faut pas charrer. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. J'ai jamais fait. Non mais sérieux, tu demandes à ton fils de faire quelque chose que t'as jamais fait de ta vie, mais c'est abusé en plus, enfin, je sais pas. J'en perds mes mots, clairement j'en perds mes mots, c'est vraiment un truc de ouf quoi. Vous attirez les gens déjà par ce que vous présentez, ça vous le savez je vous l'ai dit, par la clarté de votre carte et de votre signalétique. C'est ça qui va faire venir d'abord les gens. Déjà. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et après, montrer du mouvement. Rester comme ça, attendre. Non, c'est... je sais bien. Il y a un problème. Non, mais moi... Moi, je dis, tiens, le mec, il attend, il y a un problème. Mauvaise méthode. Non, mais j'en prends quand? Je n'agresse pas le client. Je cherche à l'aider tout en lui offrant une coupette. De façon à ce que je puisse l'avoir dans mon établissement. Tout simplement. À midi, je vais. C'est un marchand qui veut donner bonne figure, mais il n'y arrive pas. Ce qui se passe. Il n'a pas du tout le sens du commerce, en fait. Et Louis n'est même pas sorti de sa cuisine pour me dire bonjour. Il y a un truc pas clair. Les deux anciens reprochent plein de choses aux enfants, mais ce que je vois, c'est que Mario est assis à ne rien faire pendant que les jeunes sont au taquet. Vous avez vu notre formule du jour ? Je rêve, il était assis avec un client. Il était assis avec un client, là. Mais moi, le patron, il fait ça, je reviens jamais. Mais jamais de ma vie. Jamais de ma vie, je reviens dans un restaurant où le mec, le serveur, s'assoit à table avec un client, avec moi. Oh ! J'avais jamais vu ça, j'avais jamais remarqué. Mais c'est un truc de ouf. À quelle heure tu t'assois à table? À moins que ça soit ton collègue et compagnie. Mais là, clairement, vu la tête du client, je pense pas qu'il avait forcément envie. Hein. Vous avez du saumon, c'est ça? Non. Aujourd'hui, j'ai un duo de cabillaud et taco, sauce au poivre, autrement en poisson chez des gambas, en accompagnement. Donc pour les gambas, c'est riz et tomates provençales. Et pour le duo de poisson, c'est tomates provençales et pommes de terre sautées. Cédric gère parfaitement la salle. Son histoire. Encore un bon point pour les jeunes. Je vous laisse réfléchir encore un petit peu. Tu vois, je regarde Cédric depuis tout à l'heure. Il explique vachement bien la carte. Et pourtant, Dieu sait si on a des choses. Hein. Mais tu vois, il a une vachement bonne approche. Et je préfère ça. Je préfère ça, justement, que de le voir devant attendre. Voilà, là, c'est bien. Ça, c'est un point super positif. C'est bien. Tu vois, il a été les voir. Il leur a donné une explication sur les plats. Il les a mis en confiance. Voilà, c'est ça que je veux voir. D'accord. Tu sais ce que je veux qu'on arrive à faire aujourd'hui, non, c'est clair. En tout cas, c'est que tu constates que tes enfants ils sont capables. Tu constates après le service qu'ils ont fait, d'accord, qu'ils ont été très bons et est-ce qu'ils sont capables. Et ce que je veux, c'est qu'ils le fassent tous les jours. Ils le feront tous les jours s'ils sont heureux. D'accord. Je le sais. Je le sais, Philippe.
ton rôle à toi, justement, c'est peut-être pas non plus d'être toujours assis, mais c'est de leur montrer, justement. Non, mais exprès, je bouge pas, je reste ici. Tu vois, Mario, ce que je veux dire ? Allez. Je reste ici. D'accord, Mario. Tu leur reproches des choses, mais t'es pas fichu de les aider, ni de leur montrer l'exemple. Ils vont te prouver qu'ils sont capables. Tu vas voir. Il y a un monsieur là qui attend, là. Monsieur tatoué, ça fait longtemps qu'il attend, celui-là. Mika ? Non, ça fait. Après, il a commandé des moules marinières. Ouais. Donc, ça va. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est là, c'est pour ça. Ouais, non. Oui. Ça va. Ouais, c'est correct. T'as été le voir ? Oui. Mickaël, il est un petit peu mou là. Il va falloir que je pousse au cul là pour qu'il dégage pas assez d'énergie pour moi. J'ai l'impression que j'avais un petit regard derrière mon dos, quoi, celui de Philippe. Parce que bon, forcément, il voulait qu'on donne le meilleur, donc il y avait cette petite pression derrière, puisque c'est Philippe et qu'il attendait beaucoup de nous, quoi. Allez. Mickaël. Oh, il a failli lui rentrer dedans. Je te sens pas, j'ai du gaz. Allez. Et voilà, tarte à abricot. Bonne gourmandise. Merci. C'est bon ? Allez. Mickaël. Oui. Tout va bien, hein ? Allez. Chut. Désirez autre chose, monsieur ? Bon, ça manque un peu d'énergie, mais il sait ce qu'il fait. Par contre, j'ai toujours pas vu Louis. Je pense que les réflexions d'hier ne lui ont pas plu du tout. Je sais pas. C'est très intéressant, du coup. Franchement, le 250-450 couverts, c'est énorme. Je suis toujours intriguée quand je vois les services de 60 couverts, comment on peut s'en sortir avec le loyer. Bah, tout dépend le tarif des loyers déjà et la différence entre le coût de la vie chez toi et chez nous. Du coup, j'ai aucune idée de la différence. Après, le Québec est tellement plus grand que la France. Nous, on est vraiment une petite crotte de nez au niveau taille de pays par rapport à votre pays. Que c'est difficilement comparable. Donc je pense que le coût de la vie doit être complètement différent sur plein de choses, au niveau des taxes ou voilà. Si tu dis ça avec un Belge sur le chat. voilà quoi. bonsoir. Donc les Golas, je sais pas. En parlant du Québec, j'ai toujours été impressionnée par le style de vie. Les comportements au Québec sont vraiment différents. C'est vrai. En même temps, c'est pas du tout le même continent. Donc, c'est pas du tout la même culture, les mêmes références et compagnie. Et pourtant, on est sur la même planète, quoi. Mais rien qu'on en parlait l'autre jour, alors ça n'a rien à voir avec le style de vie, mais je suis partie en Irlande et j'ai été piquée par une bête et j'ai fait une allergie à cette bête-là, des bêtes qu'on n'a pas en France. Et par rapport à la taille du monde, clairement l'Irlande c'est à côté de la France, hein, et pourtant voilà, y a le climat est différent, il y a plein de choses qui diffèrent alors qu'on n'est pas très très loin. Donc j'ose même pas imaginer tout ce qui diffère au Québec, que ça soit sur le sens culture ou que ça soit sur le sens faune et flore, quoi. Je vois lui au fond de la cuisine là, il avait une tête. Je pense vraiment qu'il est pas content que je sois là. Tant pis pour lui. Je crois que s'il pouvait me mordre, il le ferait. Bon bah là au moins c'est sûr, il fait la gueule. En même temps, quand t'as 40 ans d'expérience, ça doit être difficile d'entendre des réflexions sur ta manière de bosser. En plus, le service des gamins se passe plutôt bien et il ne peut rien leur reprocher. À mon avis, la communication avec la cuisine ne va pas être simple aujourd'hui. 1 200 euros, un lave-vaisselle professionnel ou euro-dollar ou un lave-vaisselle pour la maison. Après, il faut avoir aussi le ticket moyen. Quand tu es spécialisé dans le petit déjeuner, tu ne peux pas demander les mêmes prix à quelqu'un qui va vendre un menu entrée plat dessert. En plus, tu as aussi la situation du restaurant. Un restaurant sur le port de Marseille ne va pas demander les mêmes prix qu'un restaurant dans un petit village ou dans un fast-food. Non, domestique. Waouh, 1200 balles le lave-vaisselle domestique. Nous, on a changé le lave-vaisselle il n'y a pas longtemps. On a pris un premier prix. Hein. On n'est pas monté non plus dans les trucs de ouf. Il nous a coûté un peu plus de 300 euros, quoi. Voilà, 300 euros.
J'ai une copine québécoise, il y a pas mal de choses qui diffèrent là-bas. Ça me fait rire, elle est plus décontractée que nous en France. Ouais, bah je sais pas si la vie ou quoi est plus facile là-bas ou chez nous. Après, c'est vrai que là-bas, il fait froid. Hein. Le prix du loyer influe sur le consommateur au final aussi, ouais. Bah oui, forcément. Essaye de booster un peu la Yoyi et le Saint-Pierre, ils sont pressés. Comment ça, il n'y a pas d'aïoli? Mais t'en fais de l'aïoli. Pourquoi aujourd'hui? Tout va bien. Je peux pas vous proposer de l'aïoli, je suis vraiment désolé. Est-ce que je peux vous apporter la carte et vous proposer? Je suis vraiment désolé. Pourquoi t'as redonné la carte là? Parce que je viens d'apprendre qu'il n'y avait pas de cabillaud pour proposer la Yoli. Voilà. Ah, ouais. Tu vois? Ouais. Manque de communication. Voilà. Ouais. Déjà. Ah ouais, ouais. Pardon. Ok, sympa. Là, je me retrouve totalement dans l'embarras. En plus, on a discuté de ça avec Philippe auparavant sur le fait qu'il fallait communiquer avec la cuisine. Et... Je vous l'ai dit, faites gaffe, soyez vigilants. Allez. Je vous mets la pression, mais voilà, hein, il faut que... Ah, il est vraiment super grand. Voilà, il faut que je suis derrière. Hein. C'est de le Saint-Pierre, tu aurais commandé un Saint-Pierre tout à l'heure. Ouais, mais il y a qu'un basilic. Mais... Ouais, non, mais c'est pas à l'oseille, c'est au basilic. En plus. Ah, mais ça, après, ça me change la carte. Ça, plus le fait avant de la Yuli, c'est juste affreux. Ça prouve encore une fois qu'on n'a pas communiqué. Je me sentais pas bien par rapport. Par rapport à tout. Brasse de l'air et passe son temps à discuter avec les clients. Marie, ouais, ouais. Tout le temps. Salut petit Rexo. Ouais. Bienvenue. D'accord. C'est juste pour savoir. C'est son personnage. D'accord. Ok. Il est très présent. Okay. Trop présent. Je me rends pas compte après. Toujours mon travail habituel. Pour les choses. Je me rends pas compte pour le prix des machines professionnelles parce que clairement, je sais que chez nous aussi, ça coûte très cher. Dès que c'est du professionnel, genre tu vas avoir une pince, juste une pince à salade, quoi, le truc tout con, tu vas le payer 30 balles, quoi. C'est abusé. C'est quoi le salaire moyen au Québec? Ouais. Nous, le SMIC, je crois que maintenant, il est à 1300 balles, je crois. Ou presque 1400. Je sais plus. Je m'assois, je passe de l'un à l'autre. On va rigoler tout à l'heure quand je vais demander à Mario de faire l'analyse du 1353. Service. Il a passé de table en table à discuter. Il n'a absolument pas observé ce qu'ont fait Cédric, Michael et Virginie. Pas un moment. Il faut que je passe mon radar. On va le voir, c'est sûr. Tu vas y aller? Bon Mario? Oui monsieur. Tu veux venir revoir? Je te dérange, excuse-moi. Du tout. Je vous l'enlève, je suis désolé. Moi du coup, voilà. En tant que manager, je suis à plus que ça. L'analyse du service de Snoopy, qu'est-ce que tu en as pensé? Je n'ai pas regardé, je suis sincère. J'attendais ton avis, non. Oui, j'attendais ton avis. Qu'est-ce que je t'ai demandé tout à l'heure Mario? De regarder. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai regardé, mais je n'ai pas trop regardé parce que je voulais avoir ton opinion. Non. Voilà, je me suis aperçu. Mon neveu, au bar. Il n'a pas amené le pain. Arrête, stop. Quelle mauvaise foi. Moi, tu vas pas m'embrouiller. Par contre, ce qui est bien, tu les as pas observés. Ça veut dire que ça va, bonne nuit, Yuta. Ça, c'est bien. Tu vois. À bientôt. Non, mais je... C'est très bien. Je suis content. Moi, ce que je peux te dire, parce que j'ai observé tout le monde, c'est qu'ils sont super bien sortis et ils sont heureux. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ils sont heureux, ils sont contents.
On va les réunir. Et je voudrais que tu leur dises ce que t'as pensé de Amélie. Bah si, c'est ses enfants. À moins qu'il y ait un cousin dans le lot, mais je crois pas. Bon. Alors Mario, j'aimerais que tu dises ce que tu penses de tes enfants et de ce qu'ils ont fait à midi. Je suis satisfait et content. Mais je veux que ça dure. Le fait que mon père nous complimente, dise qu'il est fier de nous, ça réchauffe un peu. Ça soulage, parce que c'est pas quelqu'un qui est habitué à... Ouais, grave. Le fait que notre père soit satisfait de nous et qu'il l'ait dit pour la première fois, ça constitue un changement radical. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis ravi de ce que vous avez fait à midi. Vous aviez la banane. Mécanique est bien vue. Vous aviez du plaisir. Vous communiquez. C'est dur. Super. Je crois que vous tenez l'essentiel. Et ça, c'est très bien. C'est gentil. On a prouvé à mon père et à Philippe, par la même occasion, qu'on était capables. Et qu'il fallait nous laisser un petit peu les rênes. Voilà. Les libertés. Les enfants ont prouvé qu'ils étaient capables de tenir la boutique et sans l'aide des anciens. Et c'est pas partout comme ça en France. Ils sont plus que motivés. Et à trois, ils sont costauds. Donc le vrai problème, c'est bien l'absence de communication. Il faut vraiment qu'ils arrivent à parler avec leur oncle, sinon le restaurant ne peut pas fonctionner. Demain, on va crever l'abcès. Je les ai convoqués pour une réunion de famille. Aujourd'hui, c'est le grand déballage. C'est pas énorme, hein. Je veux que Virginie, Michael et Cédric vident leurs sacs et discutent avec leur oncle. Car 1150, c'est lui qui est au cœur du problème. S'il n'arrive pas à se dire les choses, on ne pourra pas avancer. C'est l'heure. Tous aux abris, parce que je crois que ça va péter. Allez, on arrive au moment croustillant. Il va falloir être attentif, là. Bonjour. Ça va bien ? Bonjour. Bonjour, Virginie. Tout le monde est là ? Michael est en cuisine, il arrive. Il est parti chercher. Oui, il est là ? Il arrive dans une dizaine de minutes. Dans 10 minutes ? Oui, mais moi, j'avais donné rendez-vous à tout le monde à 9h, là. Ouais, mais moi, je d'accord. Où est Louis ? Je voudrais voir Louis, moi. Et bah, il arrive. Normalement, il va pas tarder. Sous peu, parce que j'ai eu au téléphone encore. Là. J'espère, parce que moi, j'ai pas le temps. Non, mais je me doute. On va s'asseoir, on va l'attendre. J'espère qu'il va arriver rapidement. Et il y a eu un petit problème, c'est-à-dire que mon oncle était en retard et Philippe était vraiment très en colère. On va attendre. Mais il faut savoir que j'aime pas attendre. Mais je me doute, Philippe. C'est tout à fait normal. Et en plus, il boue. Il boue. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Son en train de monter en pression, quoi. Oui, parce que ça prouve la personne. C'est quelqu'un qui va dire oui, d'accord, et qui va faire ce qu'il veut. C'est exactement ça. Et c'est ce qui s'est passé depuis le début de la brasserie. Mais c'est pas possible. Ça fait 2 heures que j'attends, et là, monsieur décharge sa voiture tranquillement. Je vais le chercher, sinon je pète un câble. Lui, laissez-moi ça, s'il vous plaît. Ils vont décharger, les gars. Voilà. Ils vont décharger, les gars. Laissez-les faire. Voilà, j'arrive. Laissez-les faire. Voilà, d'accord. Ça fait une heure que je vous attends. Laissez-les faire. Voilà, d'accord. Vous avez du monde, là. Voilà. OK, laissez-les faire. Allez, venez ici. Venez ici, s'il vous plaît. Allez, venez. Tout de suite. Aïe. Allez. Posez votre sac là, derrière là, tac, asseyez-vous s'il vous plaît là. Allez, on y va là. Excusez-moi, lui, j'essaie juste de me calmer. D'accord ? Je reprends un peu mes esprits et je me calme. Parce que là, j'ai envie d'une chose, c'est de tout envoyer baldinguer. C'est la seule chose dont j'ai envie maintenant. D'accord ? J'avais donné rendez-vous à tout le monde pour qu'on discute à 9h. Il est 11h, ça fait 2 heures que j'attends. OK, on avait donné des consignes. Vous ne les respectez pas, donc déjà vous perdez des points. Oui, ça vous fait rire ? Moi, ça ne me fait pas rire. Les sourires en coin, vous voulez garder parce que moi, ça ne me fait pas rire. D'accord ? Regardez-moi. Exactement. Je ne suis pas un rigolo, je ne suis pas un guignol. Non, même pas moi, je suis là. Pas rigolo non plus. D'accord ? Alors, on ne rigole pas. On règle les problèmes maintenant. D'accord, Louis ? Si on peut les régler, il n'y a pas de problème. Je me dis, enfin, on y est. Enfin, on va voir s'il y a une solution possible. Alors, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Qui commence ?
je commence. Voilà, il n'y a pas de problème. On y va, Louis. On vous écoute. Ouais, on a eu un problème. Des petits détails qui ne tenaient pas le pas debout. Bon, j'ai pris monsieur Michael. Il s'en foutait complètement. Complètement de l'achat. Une fois, il me fait un achat. Je lui fais acheter quoi de... Attends, c'était... Barbecue. Il m'a pris de l'harissa. Oui. Bon, c'est marqué, hein. Harissa et barbecue, c'est pas pareil. Et il a fait plusieurs fois, ça? Non, non. Elle a été une fois, elle a pas été 50 fois. Une fois. Après, les tomates. Il a pris les tomates. J'ai téléphoné. J'étais à Paris. J'ai dit, Michael, prends les petites tomates. Qu'est-ce que tu m'as pris? Des tomates comme ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Ouais. Non, je dis des petites tomates. Mais il n'y a pas mort d'homme, hein. Sa défense, c'est s'attaquer à des petits détails, à des petites fautes qu'on aurait faites, et du coup, il élude le principal. Et ça m'énerve de voir qu'une fois de plus, eh ben, nous, on est là à dire, allez, on veut des solutions, et qu'en face, ça glisse, ça se faufile. Une fois, à la place de prendre des navets, t'as pris des carottes blanches, et on n'en a pas fait un monde. Non, laisse te parler. Ah d'accord, donc... Moi, j'ai fait d'erreur. Mais nous, les nôtres, il faut les notifier. Oui, heureusement qu'il y a le sous-titre. Toi, tu te mêles de rien. Non, je me mêle de rien, parce que c'est vrai que je suis pas gérant. Toi, écoute, je parle pas avec toi. Mais moi, je lui mettrais chez nous, toi. Mais il se regarde à la glace. Oui, mais attendez, moi ce que je vois, c'est que vous vous emportez. Vous emportez, Louis. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que bon, il s'est trompé une fois sur de la tomate. Il va peut-être se tromper encore une fois. Ça peut arriver. D'accord ? Ça peut arriver. Et alors ? Est-ce que c'était si dramatique que ça ? Est-ce qu'on peut rattraper les erreurs ? Est-ce que ça justifie, Louis, le fait de ne plus se parler, de se faire la gueule et de se pourrir la vie ? Est-ce que ça, je le justifie ? Ben, peut-être non. Non, logiquement, non. Regardez des gens à 36 ans, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils veulent me faire un moral. Ils veulent me dire tatati tatata. Mario, on peut vous écouter maintenant. Oh, c'est... mais le mec, c'est un ego, mais surdimensionné. Il a un melon, mais c'est énorme. C'est énormissime. C'est... À chaque fois que je l'ai vu plusieurs fois cet épisode, je suis sur le cul de comment il se comporte, ce mec-là. Il a cru qu'il était qui? Il a cru qu'il était qui? Le mec, genre, il a la science infuse. Il a l'expérience, ok, mais excuse-moi, t'as pas l'expérience de la modernité, en fait. C'est oui. Quel est ton argument, tatati? Il me fait des tatati, tatata. Non, mais sérieux, il a un ego, mais de ouf, quoi. J'ai jamais vu ça. Des fois, je dis que Philippe, il a un petit peu le syndrome de Dieu, mais alors lui... C'est ouf. Voilà, moi j'aimerais que aussi bien mon frère, que mes enfants, je dis bien, qu'on déballe tout ce qu'on a à déballer. Que chacun fasse preuve d'intelligence et de bon sens. Qu'on remette toute cette haine et cette putain de rancune derrière et qu'on avance comme des gens intelligents. C'est la seule manière. Maintenant, s'il n'y a pas d'intelligence, ouais, s'il n'y a pas de bon sens, on ne peut rien faire. C'est une histoire de sourds et de muets. C'est une histoire sans parole. On ne peut pas se comprendre. Il s'agit de mettre chacun du sien. Par contre, quand on travaille, il faut aller à fond. Quand on travaille, il ne faut pas regarder les gens parce que je suis le premier. On ne parle pas ni de gonzesses, ni de patins, ni de couffins. Et s'il faut travailler 20 ans, on travaille 20 ans. Non, oh, je ne me calme pas parce que vous ne comprenez pas. Pour eux, travailler, c'est de l'omniprésence. C'est la réussite, voilà, c'est 20 heures par jour. Alors que nous, on n'est pas feignants, mais on voit les choses d'une autre façon. Virginie, vous faites des reproches à lui d'avoir dit des choses qui vous concernaient et de ne pas vous les avoir dit directement. Il passe son temps à baver sur tout le monde, il n'est pas capable de dire en face. Bah ouais. C'est chiant, vous êtes d'accord avec moi? Un problème, vous venez me dire en face, mais ça tu le fais mal, ça, ok, il n'y a pas de souci. Jamais j'ai dit que j'étais parfaite, je passe pas pour un top modèle. Pour vendre tes dorades à 14,80€, t'as pas besoin d'Angelina Jolie de toute façon. T'es pas Clint Eastwood non plus. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec les dorades? Non mais pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu ne nous aimes pas? La méchanceté gratuite, c'est le truc que j'arrive pas à comprendre. Okay. On n'a qu'une vie. Elle est courte. C'est On a déjà plein d'emmerdes tous dans nos vies. Pourquoi se prendre la tête là où il n'y a pas la place?
Pourquoi tu m'as jamais dit en face que je suis une connasse, que je sais rien faire, que je suis trop moche pour servir, pour faire l'accueil? Il y a trois personnes, ouais, il y a trois personnes différentes. Pourquoi tu m'as dit pas tout? Mais je vais te les amener avec plaisir. Tu vas pas te défendre, tu justifies. Mais ça t'aime pas debout. Non, comment pour une fois, faut t'arrêter d'être lâche. Louis, tu dis aux gens, les gens, tu les as fait des connards. Non, mais non, tu les as fait des connards. Louis, arrête, assume. T'as le droit d'être méchant, mais assume. Chacun son tour. Non, 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 je vais pas dire ça. Garantie. Le problème, c'est que la communication n'est pas possible parce que, voilà, c'est exactement ça, des anguilles. Ouais, 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 c'est ouf. Tout ce qui les énerve, tout ce qui les stresse, là où ils se sentent gênés. Du coup, le problème, il reste là parce que c'est pas en parlant d'autre chose qu'on solutionne un problème. Ouais, mais il assume. Le problème, c'est qu'il y a... T'es vraiment une menteuse, oh putain. Mais le problème, c'est qu'il y a, il y a une mauvaise foi de ouf et il admettra jamais qu'il a fauté. Et donc, du coup, la rancœur, elle partira jamais. Et là, vu la tête qui tire l'autre, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est de la haine ou quoi, mais c'est ouf. C'est ouf. En tout cas, c'est pas quelque chose de positif, hein. Comment monte-t-elle alors? Ah, ça va être de famille. Mais toi, écoute, t'apprends pas, toi, ta soeur. Écoute, non, si tu parles... Mais oui, je, oui, sais oui, pas ce je sais pas ce qu'il a contre... je crois qu'il s'appelle Cyril. Mais... c'est violent ce qu'il a. On dirait qu'il est jaloux presque. L'autre, il sait pas quoi faire entre ses gamins et son frère. Bah, ça doit être très difficile comme posture. C'est vaut mieux lui que moi, hein, perso... Après, le problème, c'est que mes enfants, c'est mes enfants et je les défendrai toujours coûte que coûte, sauf si je vois qu'ils abusent vraiment et qu'il y a des raisons de leur reprocher des choses. Mais voilà, c'est compliqué. Hein. Le problème, c'est qu'apparemment, ils ont su qu'il avait dit ça par rapport à quelqu'un d'autre. Il leur a pas dit directement. Donc, on ne sait pas qui a raison, même si je doute de sa sincérité à lui. C'est un taré, il n'aime pas que les autres aient un avis qui diffère du sien. Bah oui, oui, parce que monsieur a la science infuse, monsieur a un melon comme ça. Je dis des choses vraies. Et parce que tatati, tatata, attention, hein. Non, mais moi je n'ai pas pris. Non, moi, c'est pas alors, moi je suis menteur. Oui, oui, tu es un menteur. Ah, mais, bon, écoute, oui. On casse tout, c'est fini. Ah, il n'y a pas de discuter. Non, non, oui. On ne discute plus. C'est fini. Basta. Voilà. Parce que toi, moi, je ne suis pas la prise de l'air. Ah, belle réaction, Louis. Parce que quand je dis pas quelque chose, moi, c'est la vérité. Vous voulez pas trouver de solution, non, Louis. C'est fini. Vous voulez pas. Si son père, il veut prendre l'affaire, il la prend. Et on me laisse sortir. Je suis un malade. Oui. Mais regarde-toi. Oui. Mais regarde-toi aussi. Oui. Oui. Oh merde. Ce qui m'a impressionné, c'est le fait que Philippe mette mon père et mon oncle à carreau. Ils se sont tués et là, pour moi, c'était une première parce que c'est la première fois que j'écoute quelqu'un. Vous prenez la tête pour des conneries, pour des détails et vous n'arrivez pas à les régler. J'ai rien à faire ici. Mais clairement, s'ils se prennent la tête pour des conneries, des détails, c'est qu'il y a un problème qui est beaucoup plus lourd en dessous et que tous ces petits trucs de merde se rajoutent par-dessus. Il y a un problème beaucoup plus profond. J'ai rien à faire ici parce qu'on n'y arrivera pas. Vous n'y arriverez pas. Moi, je me tire. Là, j'ai commencé à flipper parce que je me suis dit il est venu ici pour nous aider et je ne crois pas l'avoir vu déjà faire ça. Ah oui, il était carrément en pleurs. Hein. Je pense que s'il s'est barré et qu'il c'est parce qu'il est monté en pression, mais d'une manière... et qu'il a, il allait en prendre un pour taper sur l'autre, en fait. Le problème, c'est que c'est pas un problème de restaurant, c'est un problème de famille, c'est ça. Philippe est pas compétent pour les aider là-dessus, malheureusement. Il allait les taper, ouais, je pense. Ouais. Maintenant, il a des équipes pour pouvoir... C'est pas là qu'on s'assoit, ouais. J'y ai pensé aussi. Maintenant, il a les... Il a les équipes compétentes pour gérer ce genre de situation, mais à l'époque, voilà, c'était la saison 3, c'était pas le genre de choses auxquelles il pensait pouvoir se retrouver et devoir faire face.
Là, ça dépasse les bornes. Alors, ok, les cadavres sont sortis du placard, mais c'est délirant. Tout le monde braille, personne s'écoute. J'ai bien cru qu'ils allaient se taper dessus. Bilan, le papy campe sur ses positions, les enfants sont découragés, et moi, j'ai compté les coups. J'avoue que si ce petit monde n'arrive pas à se mettre d'accord, je ne pourrai rien faire pour eux. On est très loin d'avoir trouvé la solution. J'ai mal dormi cette nuit. Le clash d'hier m'a beaucoup préoccupé. On n'a pas avancé d'un pouce. La situation est complètement bloquée. Mais je l'ai trouvé. Il faut que je prenne les problèmes un à un. Et ma priorité, c'est que Mario arrête d'avoir le cul entre deux chaises. Et d'ailleurs, pour parler de The Walking Dead et compagnie, c'était à Quick qu'on avait ça, et du coup, je l'ai raconté aussi à Becca. Quand on faisait les ouvertures et qu'on avait les clients qui étaient derrière la porte et qui regardaient comme ça en mode c'est ouvert, c'est pas ouvert, et ils attendent et tout, on appelait ça les zombies. Parce qu'ils sont là en mode Quick, manger, Quick. Et ça a bien fait rire du coup à Becca quand j'ai raconté ça. Qu'il se rapproche de ses enfants, qu'il les soutienne et qu'il fasse bloc ensemble, face à Louis. Il est temps de voir s'il reste un peu d'humanité dans cette famille. Philippe nous a donné rendez-vous au port de Cannes pour que nous puissions être ensemble, mes enfants et moi-même. Et j'ai trouvé ça super, super chouette. La dernière fois qu'on avait passé un moment ensemble, pas depuis qu'on a ouvert la brasserie. Non, bon, ça... c'est une appellation en interne. Hein. C'est pas tout le monde qui faisait ça. C'était vraiment nous qui, pour délirer, on disait ça. On disait que c'était les zombies. Ça fait 2 ans et demi. Hein. Enfin, mais quand je dis nous, c'est vraiment notre quick entre notre petite bande d'équipiers. On s'entendait bien, on rigolait, on appelait ça comme ça, c'est tout. Bon, alors ce qu'on va faire ce matin, c'est que je vais vous amener à la pêche. Alors, l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut avoir effectivement ici quand même des produits extra frais, des poissons top. Ce que je veux faire quand même aujourd'hui, justement, c'est que vous passiez un bon moment ensemble, voilà, en famille. Vous vous retrouviez un petit peu. Après ce que j'ai goûté chez eux, je voulais aussi leur montrer qu'on peut avoir du poisson frais et de bonne qualité vraiment facilement. Oui, parce que servir du poisson congelé quand on est placé en bord de mer, franchement, c'est pas possible. On va pêcher à peu près à 800 mètres du bord, sur des fonds de 25-30 mètres, ouais, pour cibler la soupe de roche et le rouget. Et parce oui. En ce moment, tous les restaurants sont très friands des petits rougets fritures. Des petits rougets grands comme le doigt, ouais. On fait en entrée ou à la plancha. C'est ça. Bah, il a expliqué, il a dit que l'intérêt c'était qu'ils soient unis du coup le père et les enfants contre Luigi pour pouvoir faire bloc et front face à lui. Sauf que je pense que Mario il va faire volte-face et il va se remettre avec son frère. Sardine, rascasse. Voilà, rouget, tu vois. C'est bon le rouget. Hop là. Bon, ça chacun dit qu'il est beau le chapeau. Voilà un pêcheur heureux. Il est énorme. Regarde. Tu peux pas me rendre plus heureux quand je prends un poisson comme ça. Ah ouais. C'est quoi ça, mon poisson. Le Saint-Pierre et le Chapon, ah, c'est mon poisson. De monter sur un bateau de pêche, c'était totalement nouveau pour moi. Ouais, c'était. Oui, ne spoil pas. Bon. L'idée de faire ça, de venir ici comme ça. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas de venir pêcher votre poisson tous les jours, ça vous pourrez pas le faire. Mais de temps en temps, regarde, de savoir et puis surtout de faire la différence entre un poisson extra frais, ok, qui sera pêché, que tu verras sur le banc, et un truc qui aura traîné pendant une semaine, un petit peu comme vos poissons que vous mettez à l'étal dans votre glace, là, vous voyez. C'est un peu l'idée, c'est ça, j'ai pas envie de manger moi. Parce que moi, je sais, c'est bien pas, placé là. C'est pas de la grande qualité. J'ai compris l'importance. Et pas vraiment de poisson, exactement. De connaître le produit à la base, que ce soit du local, du hyper frais, du sorti de bateau direct dans la glace. Et moi j'ai la ref. C'était super important. Ouais. Si je les ai amenés en mer, c'est aussi pour que Mario et ses enfants se retrouvent enfin en dehors du contexte du restaurant. C'est le moment pour eux de se dire les choses et de se rapprocher. Ouais. Je l'ai pas vu, moi, ce film. Bon, on est bien, là. Ah,
Ouais, carrément. Ouais, super. Passez un bon moment. J'arrive pas, mais on est bien. On passe un super moment. Pas de stress. Voilà, non, sans non, le stress. Pas de stress, ça va. Lorsque l'on se retrouve tous sur le bateau en famille, en dehors de la brasserie, ça. C'est des moments rares. C'est des moments ouais, rares. Faudrait que je le voie quand même pour la culture G. Bon, mais c'est très années ça, 90. Ça a bien soulagé. Hein. Ça a soulagé. Ça a donné un coup de. 80-90. Hein. Mais ça s'entend, la musique, hein, c'est. Elle a vieilli. Hein. Ça va. Ça fait quand même plaisir de vous entendre. Ah ouais, ça. Non, ouais, non. Moi aussi, ça nous fait du bien de rigoler. Ça va. Ça fait du bien. Mario, ça fait quand même plaisir, non? Tu crois pas? Bien sûr. Je suis heureux, sans heureux, je suis heureux automatiquement. Donc Mario, j'aimerais que tu profites de ce moment-là pour dire les choses. Est-ce que tu penses? Mais commence par le grand Dadé alors. Non, mais je me régale, mais simplement, disons, les occasions sont rares, il faut dire ce qui est. Comme je dis si bien, si je leur dis rien, c'est-à-dire que tout va bien. Mais je sais que je suis avare de compliments. Ça, ça m'est dit. Non pas que ça m'est difficile, c'est, je sais pas moi, c'est de toujours. Ouais, bah c'est ouais, un trait forcément. De mon caractère, c'est en moi. C'est difficile d'apprécier un film à sa juste valeur quand on le voit très tard. Là, en ce moment, par exemple, avec Zato Ichi, on est en train de se refaire tous les vendredis 13. Et on voit vraiment la différence au niveau des manières de filmer et compagnie. Après, il faut vraiment se mettre dans le contexte de l'époque et essayer de reprendre toute la mode de l'époque et comment les films étaient faits. L'acting est complètement différent, très exagéré. C'était aussi le début des films d'horreur de cette façon-là. Et avec des pseudo-screamers, c'était les tout premiers à ce moment-là, parce qu'avant, les films d'horreur, c'était pas du tout ce genre de choses. Faut aussi remettre... prendre en compte que au niveau de l'acting, le théâtre existe depuis l'Antiquité et le cinéma existe que depuis le siècle dernier. Enfin, maintenant on est au 21e siècle, mais en soi c'était à la fin du 19e. Et donc du coup forcément l'évolution qu'il y a eu, Louis de Funès, oui ça c'est... Oh, j'adore la façon dont a évolué l'acting a été très très lente par rapport à depuis combien de temps ça fait que le théâtre existe alors que les capacités en cinéma ont évolué en un claquement de doigts. On est passé de juste l'image à la 4DX en l'espace de 200 ans, quoi. C'est un truc extraordinaire. Donc forcément, jusqu'aux années 70-80, on avait une manière de jouer qui était surjouée dans les films, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis l'Antiquité, les gens qui regardaient des acteurs et des comédiens, ils étaient à je sais pas combien de mètres de la scène, ne voyaient rien, donc forcément il fallait que les gens parlent plus fort, exagèrent leurs expressions et leur l'acting et pour que tout le monde puisse capter ce qui se passe sur scène. Donc c'était plein de choses qui font que le style d'acting a mis pas mal de temps à évoluer. Et là, depuis ces 30 dernières années, ça a été fulgurant, quoi. 4 heures de live. Exactement, oui. Je parle trop. Mais je sais pas si ça vous intéresse, du coup, ce que je suis en train d'expliquer. Mais moi c'est le genre de choses, le genre de petits trucs comme ça que j'aime bien savoir et j'aime bien expliquer aussi. Des petits détails comme ça. Je trouve ça intéressant et c'est pour ça que je m'intéresse à plein de petits trucs comme ça. Et après, on vient me dire « Hein, quand tu ne sais pas, tu te tais !» Ouais, mais si je le dis, c'est que je le sais. Sinon, je dis, je ne suis pas sûre. Un salut YouTube, d'ailleurs, oui. Mais voilà, comme je disais lors du premier de l'épisode précédent, je trouve que j'ai de plus en plus de commentaires bienveillants et de moins en moins de haters et plus en plus de personnes qui se rendent compte de la valeur de ce que je dis.
Voilà, je ne vais pas avancer des choses sans être sûre. Donc, si je ne sais pas, je dis que je suis pas sûre. Quand on sait, on ne dit rien. Bah ouais, mais bon, enfin... Moi, j'aime bien justement être sûre de ce que je dis et d'aller vérifier. Tu es très cultivée, contrairement à certains qu'on peut croiser et arrêter de brailler, mais qui n'ont presque aucune culture, qui n'ont presque... Oh. Qu'on peut croire... Qui n'arrêtent pas de brailler, mais qui ont presque aucune culture. Bah, c'est vrai que je me suis retrouvée confrontée à pas mal de personnes qui me disaient de me taire parce qu'ils pensaient que je ne savais rien, alors que parce qu'ils pensaient que je ne pouvais pas savoir autant de choses. Mais en fait, c'est juste que j'adore, je suis très curieuse et j'adore apprendre. Et je vais me renseigner sur tellement de sujets différents que voilà. J'emmagasine plein d'informations sur la culture G, sur l'histoire, sur plein de choses. Ça me passionne, j'adore ça. Bizarre, les films qui datent du début du 20e siècle, j'ai pas de problème, mais j'ai eu du mal avec les films à la fin des 90, début 2000. Bah ouais, c'est vrai que c'est les... On est passé à un changement radical sur plein de choses. On a essayé plein de trucs à cette période-là et c'est vrai que du coup, ça a pris du temps. On a vite changé, on est passé à autre chose. Il y a eu des effets de mode aussi, un petit peu comme dans tout. La première fois que j'écoute un live, d'habitude, j'écoute tes reacts de cauchemars en cuisine sur YouTube. Ne lâche rien, tu es super. Merci, c'est très gentil. Bon, allez, on va se finir cet épisode quand même. Il reste un petit quart d'heure. En 20 ans, de 90 à 2010, la technologie a radicalement changé. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Du coup, on est passé du... par exemple, ne serait-ce que du muet ou du noir et blanc, on est passé à la 4DX en cinéma, quoi. C'était un truc de dingue. Enfin, le muet, c'était quand même très vieux. Hein. Je crois mes grands-parents ont dû connaître ça, ou mon grand-père, du moins, a dû connaître ça quand il était petit, mais c'est tout. Moi, un bon Charlie Chaplin, clairement, moi, je me régale. Hein. Cédric, la qualité, c'est le sourire et le punch. Non. Virginie, c'est au bureau. Bon, elle travaille au bureau, elle fait son travail. Quand elle est au bar, elle est active. Et elle y va. Pourtant, ça fait pas longtemps qu'elle fait. Hein. Elle est volontaire. Oui. Michael fait son travail correctement et... C'est de la culture G pour moi. Réussir à faire formuler des sentiments à mon père, c'était un challenge et Philippe a réussi, donc bravo, quoi. Parce que ça faisait des années que j'avais pas entendu des compliments sur nous. Et je connais mon père, donc je sais, à travers ces mots-là, oui, mots qu'il aurait voulu dire et qu'il n'a pas réussi à dire. Vous, les enfants, qu'est-ce que vous attendez de votre père ? J'attends pas que tu dises quelque chose, mais j'ai besoin que, pour toi, tu prennes du recul par rapport à la brasserie. Pas forcément sur ta présence, mais sur ton mental. Parce que tu es trop noyé dans les problèmes qui sont liés à cette brasserie et tu en oublies ton côté humain et familial. Voilà. Ça, c'est... Et si tu sais qu'on n'est pas des idiots et qu'on n'est pas incompétents, prends un peu plus de recul par rapport à notre travail. Fais-nous un tout petit peu confiance. On est grand, on peut se démerder. S'il y a un truc qu'on ne sait pas faire, on veut t'appeler aussi pour te demander. Mais ça va, papa. Il n'y a pas besoin qu'il soit tout le temps. Nous, on a besoin qu'il soit un peu moins pour savoir que tu te reposes. Et voilà. Et on n'hésitera pas à te demander si on a besoin. Et ça nous a fait du bien de voir notre père aussi autrement qu'en tant que papa patron à la brasserie avec les rôles mélangés. Là, on s'est retrouvé simplement en face de notre père et qui a dû jouer uniquement le rôle de père. Je vous fais faut confiance, le café club, mais faut-il qu'au départ, je leur dise les règles de façon simple. Ça fait 2 ans qu'on les connaît, les règles, deux ans et demi. Mario, c'est agaçant à force. Tu rabâches. Nom de Dieu, tu n'entends pas ce qu'ils te disent et tu restes campé sur tes positions. Est-ce qu'aujourd'hui, Mario, tu entends ce qu'ils disent et avec tu es capable de dire « Ok, je vais prendre du recul, je vais vous laisser... » prendre les choses en main. Je leur dis, j'ai confiance, mais simplement, il faut non, que non, je... C'est... Il nous engueule en plus, j'ai confiance en gueulant. Mais non, si je... J'ai confiance en mes enfants, au potentiel de mes enfants. Bien sûr que j'ai confiance en eux, mais simplement... Je préfère les cheveux longs avec les femmes aussi. Il faut toujours, mais c'est terrible. Non, il faut qu'ils me le prouvent. C'est pas la meilleure façon de les mettre en confiance
et de leur laisser faire les choses. Est-ce que tu es capable de leur faire une phrase sans mais? Vas-y. Je suis pas là. Adresse-toi à tes enfants. Bon, je vous fais confiance. Sinon, je ne prendrai pas l'affaire. Mais il faut que ma confiance, comme je vous dis... Mais oh, pourquoi putain, tu dis mais? Officier. Mario, arrête! Arrête de dire mais. C'est dur, hein? Donc, je vous fais confiance, mais je suis sincère. Merde! C'est pas dire mais je suis sincère. C'était bien quand même. Bon, pardon. Il y avait un progrès. Je me suis emporté, je suis à fleur de peau, là. Je suis à fleur de peau. Tu sais pas te contrôler? Je peux plus, non, je me contrôle plus. À un moment donné, j'arrive plus à me contrôler. Philippe me disait, Mario, arrête de dire mais. Effectivement, c'est vrai. Mais je ferai une remarque à Philippe. Les Américains, quand ils commencent une parole, c'est « but ». Hein ? Donc, c'est pas que je sois américain, pas du tout. Mais, voilà, je viens de dire « mais ». Bon, allez. Bien sûr que je vous fais confiance. Parce que si jusque je prends cette affaire, mais à 8 ans, en Afrique, j'ai également connu Alcatel et Nokia. D'être sérieux, d'avancer, forcément. D'avoir la niaque et de penser que c'est pour vous. Vous capitaliserez ce restaurant pour plus tard, pour vos enfants. Voilà ce que je demande. Et si vous avez besoin de conseils, tout à fait normal que je sois là. Et on les prendra. Et on les prendra comme on les a toujours pris. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Tous les jours, on s'embrasse. Je persigne qu'il m'a... Se retrouver tous ensemble comme ça, et à avoir un contact, c'était top. C'était top. Ouais, après, l'embrassade entre père et enfant, j'ai connu le Minitel aussi. Ça me fait plaisir. Tous les jours, on s'embrasse. Ça me fait plaisir. Je vais changer de... Je crois que je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin pour dire d'être un peu plus humain, ça, entre parenthèses, non pas que je le sois pas, d'être un petit peu moins robotique, voilà. Windows 95, ouais. Je pense que le fait d'extérioriser, de formuler tout simplement des ressentis que chacun garde en soi, était nécessaire pour une meilleure cohésion entre mon père et ses enfants. Maintenant que Mario a choisi son camp et s'est rangé du côté de ses enfants, il faut régler le problème de Louis. Les sonneries polyphoniques. Je crois que Mario a compris le malaise de ses enfants. Maintenant, il faut qu'il s'affirme face à son frère et qu'il le persuade de passer la main. Je croise les doigts pour qu'on parvienne à un accord. Sinon, je ne pourrai plus rien faire pour eux. C'est un peu le rendez-vous de la dernière chance. J'espère qu'ils sauront la saisir. Aïe, ça se passera pas bien, là. Votre situation, l'environnement... Oui, c'est mon franchisé qui me l'a offert. Malheureusement... C'était une petite tradition dans le restaurant, du coup, je suis contente d'avoir mon stylo. Ça marchera jamais. Et en fait, j'ai besoin de toujours manipuler des choses. Là, du coup, j'ai un petit dé comme ça, mais le problème, c'est qu'il fait du bruit. Donc, du coup, j'essaye d'éviter de le manipuler en stream et je peux pas m'empêcher en fait, ça fait du bruit aussi, mais du coup j'essaye de le manipuler plus comme ça pour éviter de faire du bruit. Ça fait une heure que tu bouges et j'ai eu ma formation toute la semaine sur l'ordinateur, sur Teams, et toute la semaine je l'ai manipulé, mon stylo, toute la journée de 9h à 17h plus le soir en stream. L'idée de partir sur un restaurant semi-gastronomique, de poissons, de trucs, franchement, il y en a un à côté qui est top, qui est vachement bien. Et au vu de ce que j'ai mangé hier, je vous déconseille vivement de partir là-dessus. Alors la sole, waouh, elle est vraiment flétrie. Ça, c'est sûr, encore, c'est comme de la sole fraîche. C'est la sole congelée. Donc, moi, mon idée, c'est partir sur un pub, d'accord, avec des bons produits, avec des bonnes choses. Même si ça vous convient pas, lui, il vaut mieux un pub qui fonctionne, avec du monde, qu'un semi-gastro de poisson qui ne marche pas et qui est mal maîtrisé. Vous êtes d'accord avec moi? Philippe, voilà, je vais dire deux mots. Là, j'ai pris une décision. Oui. Et je suis donné à mon frère. Voilà le bateau, prends-le. Je m'en vais, je m'arrange avec mon frère et je laisse l'affaire à mon frère. Après, il fera qu'est-ce qu'il voudra avec ses gosses. Mario. Moi, la décision ultime appartient à mon frère. Moi, je ne peux pas, parce que si, comme je vous ai expliqué, si j'avais l'argent, le pouvoir de l'argent, acheter, je l'aurais acheté. Je n'ai malheureusement plus ce pouvoir. Donc, je ne peux pas racheter l'affaire de mon frère. Je comprends plus. Vous me dites, j'ai pas le pouvoir. Je ne peux pas.
Louis, il dit, je vous laisse tout. Qu'est-ce que vous faites, vous, Mario? Mais je ferai le concept que vous venez de dire. Bon, d'accord, ok. Voilà, c'est okay, déjà pas mal. Donc, vous laissez faire vos enfants. Bien sûr, dans ce concept-là. On peut reprendre juste que je me mette les idées claires. Vous, Louis, voilà, vous cédez vos parts à Mario. Voilà, c'est tout. C'est ça? Voilà. Ça veut dire que vous, Mario, vous avez 100% des parts. Et par contre, fin septembre, vous donnez votre affaire à votre frère. Mais il ne faut pas oublier qu'on est deux, là. Moi et ma femme. Hein? Il faut que maintenant j'en parle à ma femme, tout à fait logique. Vous savez quoi, Louis, vous m'amenez en bateau? Mais non, je ne vous amène pas en bateau, mais j'ai jamais amené vous m'amenez en bateau. Non, je m'amène pas en bateau. Vous m'amenez en bateau et ça m'agace. Parce que là, vous dites des choses, après vous contredisez. Mais et maintenant, vous me dites, ah mais non, il faut se demander à ma femme. Mais qu'est-ce non, que vous allez me sortir après? Vous parlez trop vite. Bon, Philippe, écoutez, vous êtes très gentil. Ah oui, je suis gentil, ouais. Mais vous êtes... Et j'ai de la patience. Mais non. Vous me menez en bateau, vous me racontez l'histoire. Non, j'emmène personne en bateau. Non, en bateau, j'emmène personne. Écoutez. Non, mais... Je lui dis 20 000 fois, je n'ai pas confiance. C'est pas ce que je vous parle. Voyez, vous changez. Mais vous n'allez pas me faire un moral. On n'en finit plus. C'est à Mario que je parle. Mario, j'ai raison ou pas? Oui, éclate. J'ai raison. On arrête parce que, autrement, je vais éclater. Alors, mais qu'est-ce que j'en ai autrement? Louis, calme ton pot. Louis. What the fuck? C'est quoi son problème à lui? Mario, on se revoit tout à l'heure, je vais réfléchir. D'accord, je suis là, moi. À tout à l'heure, salut, Mario. Mon ami. Alors là, je suis vraiment désespéré. Je pensais qu'on arriverait à quelque chose, mais finalement, ça n'a fait qu'empirer. Par contre, j'ai vu le vrai visage de Louis. Et là, ça trompe pas. Donc, je suis face à une grosse problématique. Et je sais pas si je vais finir la semaine. J'ai rien compris. Les enfants avaient raison. Louis a encore une fois essayé de m'embobiner. Mais là, ça ne passe plus. Malgré mes différentes tentatives pour que les choses s'arrangent et les efforts de tout le monde, au fond, il n'a jamais voulu changer. Je vais devoir prendre une décision difficile et radicale. Je sais pas du tout à quoi m'attendre aujourd'hui. Non, vraiment pas. Je me dis peut-être que Philippe va dire on arrête tout, il n'y a pas de solution, parce qu'elle semble très difficile à trouver, là, en l'occurrence, sa solution. Et il a beau être un grand professionnel, c'est pas non plus un magicien. Donc je sais pas du tout. Aujourd'hui, je me sens un peu stressé du fait des multiples clashs d'hier, du fait que Philippe a l'air de pas trouver de solution. Je sais vraiment pas si ça va être résolu, vraiment pas. Ouais. Si Philippe devait partir aujourd'hui, malheureusement, tout serait gâché parce qu'on a encore besoin de lui. Et les choses ne sont pas encore abouties complètement. Bon, tout le monde est là. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai eu une nuit très longue et très agitée. J'aime autant vous le dire. Et pour la première fois depuis que je fais cauchemar en cuisine, je ne vais pas aller au bout de ma mission. Pour moi, c'est un échec. Je vous ai dit que je me battrais, que je me bats, que je lâche jamais. Mais malheureusement, même si je crois au potentiel de cette maison, de cet établissement, si je crois vraiment en votre volonté d'y arriver, il y a une chose que je ne peux pas arriver à faire, c'est de faire en sorte que les relations que vous avez avec votre oncle se passent bien. Mais le constat, il a été fait avec toi, Mario, où j'ai eu une réaction de Louis qui a été assez violente. Et j'ai compris. J'ai compris que vous disiez la vérité et que je pourrais pas le changer, ce bonhomme. Je pourrais pas le changer. Voilà, je répète, malheureusement, j'ai pas eu de solution. Et je le regrette. Vraiment, c'est un échec. Et là, ça me fait très mal.
J'ai vraiment mal. On a tous pris une claque, je l'ai vu dans le regard de mon frère, de ma sœur. C'était quand même une déception hein, que j'ai ressentie également. Le fait que Philippe échoue pour la première fois, c'est significatif, ça prouve bien que le problème est immense. Ce qui a été mis dans le reportage, Luigi a voulu frapper Philippe. C'est pas vrai. Ce qui a pas été mis, ouais. Il a essayé de le frapper. C'est une blague. C'est pour ça que du coup, il dit que la réaction a été très violente. C'est une blague. C'est un truc de fou. Plutôt le bousculer à ce que j'avais lu. Ouais, mais même bousculer, c'est le mot gentil pour pas dire il a vraiment essayé de le frapper. C'est bon, je pense que vu l'épisode, je sais pas s'il a encore en vie ce monsieur. Malheureusement, c'est pas une blague de le fait qu'ils disent le mot violent. C'est une blague. C'est une blague. Je pense que ce monsieur doit être ne doit plus être parmi nous. Hein. Paix à son âme. Hein. J'espère qu'il a trouvé le repos et la paix à l'heure d'aujourd'hui. Clairement. C'est tendu, 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 tendu. Allez, on va essayer de finir ça. Parce qu'on aurait été incapables, nous, sans aucune aide extérieure d'y arriver, et même avec une aide extérieure aussi importante qu'elle soit. C'est décevant totalement, mais c'est incroyable. On s'est pas trompé, quoi. C'est qu'on ouais, avait voilà. pas tort. Alors même s'il n'y a pas de résultat là, on n'avait pas tort, et ça déjà c'est très important. Je pense que mon père a compris que son frère était ingérable, tout simplement. Et que même si nous, bien évidemment, nous sommes reprochables sur deux points, nul n'est parfait, surtout pas nous. La majeure partie du problème, ce n'était pas nous. Et ça aussi, c'est quand même une victoire pour nous. Oui, bah oui. On a quand même plein de besoin de reconnaissance. Je m'en remettrai, c'est sûr. Mais pour moi, Juan Lépin reste une affaire à suivre. Je reviendrai dans quelques mois. Peut-être ai-je permis à Mario et ses enfants de changer les choses ensemble. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. 3 mois après le passage de Philippe, le restaurant a connu beaucoup de changements. Cédric, Michael et Virginie ont choisi de quitter l'affaire familiale pour recommencer une nouvelle vie, loin de la restauration. Mario et Louis travaillent toujours ensemble et s'orientent définitivement vers un restaurant semi-gastronomique de poissons. Bon, que d'émotions, que de... C'était choquant, clairement, c'est un truc de fou. Les gens, jusqu'où ils vont... Ouais, comme tu dis, voilà. Punaise. Choisir la réponse, hein. La réponse, je la connais déjà. C'est restaurant Fermex. Voilà, terminé la prédiction. Vous devriez recevoir tous vos points. Je pensais que tu le savais. Je l'ai déjà vu l'épisode, mais clairement, non, je ne savais pas qu'il avait été violent physiquement envers Philippe. Je n'avais pas forcément cherché sur Internet, je ne l'avais pas vu. C'est qui le patron ? Et moi. je l'avais pas vu passer sur les réseaux sociaux. Sur ce, qu'est-ce que je voulais dire l'épisode de Juan Lépin dans les Alpes-Maritimes, devenu l'escale. C'est peut-être devenu l'escale du coup. Alors, je clique sur le petit 29. Qu'est-ce qu'ils disent ? SARL, l'escale, chiffre d'affaires, résultat, machin, société.com. Ok, j'ai l'adresse. Est-ce que j'ai le nom ? Est en activité depuis 17 ans. Localisée à Antibes. Elle est spécialisée, machin, non. Alors, ouais, non, c'est plus du tout les mêmes personnes. Voir les documents officiels.
L'INSEE, RC, machin. En fait, ouais, c'est un deuxième restaurant en gros, c'est une petite franchise, quoi. Une petite franchise qui a ouvert un deuxième restaurant. Deux établissements ainsi que trois mandataires. Deux établissements. Hop, à Juan-les-Pins, à Gibes-Juan-les-Pins. Est-ce que... établissement fermé en 2009. Depuis... je trouve pas trop, là. Depuis le 23 août 2007. A été actif un an. Bah alors, c'est que l'épisode, il est plus vieux que 2013. Je vais revérifier. Saison 3. Non, c'est ça, 2013. Je comprends pas. Alors, j'ai raté un petit peu mon message. Pas vraiment étonnant. Si, je suis pas sûre des mots, mais c'est à peu près ça. 2007, j'ai vu. Coup de prédiction, resto fermé. Ouais, c'est ça. Philippe a fait de la boxe, donc bon, le seul truc qu'il a dit, c'est du genre Luigi a été agressif et violent. Je n'ai pas pu continuer l'émission. Bah ouais, non mais à un moment donné, il faut que l'intégrité des personnes soit protégée, hein, l'intégrité de tout le monde. Hein. Parce que si même lui, hein, il était âgé, donc si il s'amusait à partir dans les tours comme ça, enfin voilà. Hein. Il risquait de se faire du mal, pardon. Sur ce... Oh, mais pourquoi il me rejette des mots comme retardé? Londonium, Juan-les-Pins, ouais, le 30 janvier 2013. Il a peut-être été tourné avant, mais ils ont retardé la sortie puisque Philippe n'a pas réussi. Ouais. Encore merci à toi pour tes réactes, mais de rien. Merci à vous d'être là, d'être au rendez-vous et de participer. C'est très très agréable. Je passe de super moments. En React, c'est super cool. Sur ce, on va dire au revoir à YouTube. Parce que je vais pas dire au revoir à YouTube. Il tourne et il diffuse plus vite. Oui, c'est vrai. Bonne soirée YouTube et bonne nuit YouTube ou bonne journée YouTube. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Allez, petit marqueur fin. Et voilà, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Marqueur. Non.